Moussa, par mégarde, j'étais mute. Il est 18h04 minutes. YouTube ici sur mon téléphone. Donc, il est 18h. S'il te plaît, Eric, peux-tu me remettre host ou co-host? Merci beaucoup. Comme je disais, il est 18h06, donc nous devons commencer. Nous avons déjà plus de 34 participants à notre session. Bonsoir à tous. Encore une fois, bienvenue dans notre 57e session de webinaire de AMO RDC et CODOSA. Comme vous le savez, AMO RDC, c'est l'association des médecins urgentistes de la République démocratique du Congo. Et CODOSA, c'est Congolese Doctor of South Africa, donc les médecins congolais évoluant en Afrique du Sud. Ce sont les deux co-organisateurs de ces sessions que nous faisons chaque jeudi à 18h de Kinshasa. Et nous aurons l'honneur cet après-midi ou ce soir de recevoir un de nôtres. Le professeur Dadi Matambeba. Il est médecin formé à l'Université de Kinshasa l'année 2004. Et de là, il a été retenu comme assistant en radiologie à l'Université de Kinshasa, donc aux cliniques universitaires de Kinshasa, où il a travaillé de 2007 à 2008, juste une année, avant de partir au Japon. Pour poursuivre sa spécialisation à Tohoku University Hospital au Japon. Et de là, sa spécialisation était couplée avec son doctorat, donc son PhD. Il a passé 4 ans au Japon, non, je crois que oui, 4 ans au Japon, de 2009 en 2013, et il a obtenu sa spécialisation et aussi son doctorat en radiologie, c'était en 2013. Et sa dissertation était plus basée sur les résultats précoces de la tomodensitométrie pour prédire la mort chez les patients traumatisés cérébraux au moment de leur sortie à l'hôpital. Et il a travaillé sous le mentorship du professeur Shoki Takahashi. Je vais vérifier son parcours sur PubMed, je vous assure, il y a plus de 9 800 publications. Et quant à ses fellowships ou autres qualifications, je vous dirais que le professeur Mbata est détenteur d'un fellowship en neuroradiologie diagnostique de la tête et du cou à l'université de Tohoku au Japon. C'est depuis 2013. Et quand il est arrivé au Canada, il a aussi obtenu son fellowship en neuroradiologie pédiatrique. Ça, c'était à l'hôpital pédiatrique de SIK, c'est à Toronto, toujours au Canada. C'était en 2016, entre 2016-2017. Il a aussi obtenu un autre fellowship en neuroradiologie pédiatrique, en pédiatrie générale, toujours dans le même hôpital l'année suivante, donc en 2017-2018. Il est enregistré comme médecin par le Medical Council of Canada et aussi par l'Ordre de médecins de la République du Congo. Quant à sa profession, sa progression professionnelle, s'il vous plaît, si on peut.
Quant à sa progression professionnelle, je vous dirais que le professeur Mbata. Eric est là. Suis là, je strangle. Je m'excuse pour ces désagréments. Donc, je continue. Donc, je vais parler de la progression professionnelle. Et éteignez vos micros. Allô, vous m'écoutez? Donc, quant à la pro Le professeur Mata travaille au Canada comme professeur dans le département de radiologie diagnostique à l'université ou à l'hôpital universitaire de Dalhousie, qui est à Halifax au Canada. Il est aussi radiologiste à l'hôpital donc Isaac Walton Chisholm Health Center, toujours au Canada depuis 2018. Et il est clinical fellow en radiologie pédiatrique générale à l'hôpital SICK. Children dans l'hôpital pédiatrique de Toronto. Ça, c'est depuis 2017. Au niveau du Japon, le professeur Mbata est professeur assistant au département de radiologie diagnostique à l'université de Tohoku, là où il a étudié. Mais il est aussi clinical et research postdoctoral fellow, donc je ne sais pas comment le dire en français, mais un fellow en recherche postdoctorale en neuroradiologie, toujours dans la même université, à la faculté de médecine. Et en RDC, le professeur Mata est professeur assistant au département de radiologie de l'université de Kinshasa. Et il travaille aussi comme radiologiste à Ngalema Medical Center à Kinshasa. Quant à ses publications, nous pouvons tous aller sur PubMed. Nous allons voir que le professeur Mata a toute une panoplie de publications que j'ai essayé de parcourir moi-même. Donc, il a beaucoup plus de publications sur PubMed. Il y a 12 publications là-bas que tout le monde peut essayer de parcourir, juste en tapant Dadi Mata. Et il y aura ces publications là-bas. Alors, sans prendre beaucoup plus de son temps, professeur Mata, si votre micro est ouvert, vous pourrez commencer avec la présentation. Le syndrome héréditaire des prédispositions au cancer, rôle de l'imagerie médicale dans le dépistage, bilan diagnostique et surveillance des malades. Nous vous demandons s'il vous plaît de bien vouloir éteindre vos micros, si possible vos caméras, pour permettre une meilleure retransmission de notre session. Professeur Mata, à vous la parole. Merci beaucoup, docteur Moussaïssa, pour cette présentation. C'est de ma faute, je crois que j'ai envoyé les CV en retard. Donc, ça prend beaucoup de temps de parcourir toutes ces pages-là. Donc, je pense que vous avez brossé les grandes lignes. Donc, je suis, juste pour regarder, je suis médecin, donc je suis congolais, et je fais ma médecine à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Et après, comme il a dit, j'étais retenu comme assistant. Juste une année après, j'ai eu la bourse du Japon. Donc, c'est au Japon que je fais comment, ma spécialisation en radiologie et je fais le fellowship pendant que j'étais là-bas. Et quand j'ai fini, j'ai été retenu comme prof. Et c'est après le Japon que je suis venu à Toronto, à l'hôpital pédiatrique qu'on appelle SickKids, où j'ai passé 2 ans pour fellowship. Et après SickKids, je suis allé à Chicago, l'hôpital pédiatrique de Chicago, où je me suis hyper spécialisé en imagerie cardiaque pédiatrique. Et puis, je suis venu ici, là où je suis, comme prof. Et à l'Université de Kinshasa, je suis professeur visiteur, si on peut appeler ça ici, ou professeur tout court. Donc, pour aujourd'hui, comme vous voyez le titre qui est déjà devant vous, nous allons parler des syndromes héréditaires de prédisposition au cancer, rôle de l'imagerie médicale dans le dépistage, bilan diagnostique et surveillance des malades. En fait, ça, c'est un nouveau, on appelle ça les hot topics en anglais. Ce sont les topics qui sont en vogue ici. Et même dans certains pays, dont le pays européen, ce n'est pas encore dans la pratique routinière. Et comme vous allez constater,
J'ai été contacté presque au même moment pour faire des présentations dans des différents forums. Ça sera ma première présentation aujourd'hui. Et demain, et cette présentation, comme vous allez vous rendre compte, ça sera beaucoup plus. Ça peut paraître un peu indigeste. Je ferai un effort parce que ce sont des choses que tous nous ne faisons pas au quotidien. Donc, c'est juste à titre informatif pour vraiment suivre ça de manière relaxe, comme on suit une série à la télé. Capter ce que vous pouvez capter et dans les discussions, on peut enrichir. Je vois le prof Aouka qui est dans l'audience. Je pense que le prof Lumaka sera là aussi. Ils manipulent bien les choses qu'on va parler ici parce que c'est au fait la génétique appliquée à la radiologie. Donc, leur input seront le bienvenu. Et demain, je vais parler d'un sujet beaucoup plus commun. Ça sera dans un autre forum qu'on appelle les rhécotomes. Il y a 2 semaines presque, je parlais de. Comment lire rapidement un scanner de la tête quand on n'est pas radiologue. Et l'audience a voulu que je revienne demain. Je vais revenir maintenant. Je vais faire juste un rappel et puis je vais montrer des cas cliniques pour illustrer le point que j'ai mentionné et surtout le point qui ont suscité les discussions la fois passée. Et comme vous allez remarquer, pour les scanners, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Donc, ça va venir demain. Et le lundi, avec un autre groupe, je vais intervenir pour parler de. L'imagerie dans le diagnostic de lymphome non Hodgkinien. Il y aura aussi les professeurs de Boisé, docteur Diassonama et les autres présentateurs. Donc, ça sera une série de présentations. Toutes les présentations n'auront pas le même niveau et la complexité ne sera pas la même. Donc, il faut prendre ça avec beaucoup de fair play. Capter ce que vous pouvez capter, c'est juste pour vous donner un hint. Et je sais qu'il y a beaucoup de médecins stagiaires aussi, même des assistants qui sont en formation. Et quand vous parlez, par exemple, de FMS ou en France ou ailleurs, vous devez déjà avoir entendu ces choses ici. Comme ça, quand vous allez lire de vous-même, ça va paraître beaucoup plus clair. Donc, revenons à notre titre. Quels sont les objectifs poursuivis dans cette présentation? Si j'ai une prière à faire, c'est qu'à la fin, que tout le monde sache qu'il existe ce qu'on appelle les syndromes héréditaires de prédisposition au cancer. C'est-à-dire les enfants qui naissent et qui sont déjà prédisposés à faire des cancers. Et si possible, connaître les syndromes le plus rencontrés ainsi que leurs tumeurs associées. Et ça vaut la peine pour les radiologues et les autres cliniciens. Et quand je vais dresser les scénarios ici, vous allez voir que tout le monde va être affecté d'une manière ou d'une autre dans sa pratique par ces malades ici. Et en plus, il faut savoir les tests radiologiques adéquats. D'abord pour diagnostiquer ces syndromes, mais surtout pour surveiller les malades. Et quand vous faites ça, ouais. Et comme vous savez, ce sont généralement les nouveau-nés. Ce sont les enfants âgés de moins de 5 ans qui auront ces syndromes. Et nous savons qu'ils vont faire un cancer quelque part dans leur vie et souvent avant 40 ans. Donc, les rôles de la médecine actuelle seraient de détecter ces cancers quand ils sont vraiment précoces. Et pouvoir faire, si possible, des chirurgies prophylactiques. D'où les rôles importants que jouent le médecin de famille et le radiologue, mais aussi les spécialistes, chacun dans son domaine. Parce qu'on va voir que ces cancers peuvent intéresser différents organes. Mais pour la radiologie, ça va, comment, un autre objet sera de connaître les rôles de l'imagerie corps entier. Ça, dans beaucoup de pays, on ne le fait pas encore. Ici, on le fait pour les radiologues qui sont dans l'audience. Je vais glisser quelques mots sur les rôles et les indications de l'imagerie, de l'IRM corps entier. Et pour atteindre ces objectifs, voici comment j'ai subdivisé ma présentation. Bien entendu, nous allons commencer par une brève définition des SHPC. Et puis, on va parler des contextes cliniques ainsi que de l'importance de la surveillance radiologique. Après, nous allons passer en revue quelques SHPC. Qui sont le plus en vogue, qui sont le plus connus, qu'on voit même dans nos milieux à Kinshasa, peut-être pas reconnus comme tels, mais qu'on le voit quand même dans notre pratique de chaque jour. Et puis, nous allons parler des modalités, c'est-à-dire quel type d'examen faire et quand. Est-ce le scanner? Est-ce que c'est l'échographie? Est-ce l'IRM? Et puis, il y aura une conclusion. Qu'est-ce qu'on appelle les syndromes héréditaires de prédisposition au cancer? Comme je l'ai dit bientôt, certains cancers sont liés à la présence d'une altération génétique constitutionnelle. Donc, l'enfant est né, il y a déjà un dérangement au niveau de ses ADN, et ce dérangement est transmis d'un des parents, si pas les deux, à l'enfant qui vient de naître.
Et comme je l'ai dit aussi, ces cancers se manifestent souvent chez l'enfant ou les jeunes adultes parce qu'ils sont déjà prédisposés. Et il suffit juste d'un concours de circonstances pour que ces cancers puissent s'extérioriser. Et aujourd'hui, Dieu merci, grâce à l'avancée et de la génétique et de la radiologie, ça nous a permis d'améliorer nos connaissances sur ces maladies et surtout, ça nous permet de les diagnostiquer de manière très précoce. Et ces diagnostics précoces rallongent tant soit peu l'espérance de vie de ces malades, d'où les rôles que chacun de nous doit jouer dans sa pratique au quotidien. Comme tous nous savons, un cancer peut survenir de différentes manières. À plus de 90%, c'est de manière sporadique, non familiale, à un moment qui, non, on dirait esui-esui. Ça peut paraître pour une cause non connue. Mais pour environ 10% des cas, les cancers apparaissent de manière génétique. Bien sûr que l'environnement joue un rôle, mais quelqu'un né est déjà prédisposé. Et quand nous parlons des syndromes de prédisposition au cancer, nous faisons allusion à ces 10% et à ces familles. Comme vous le savez aussi, ou comme on peut le voir, pour qu'il y ait un cancer, il y a plusieurs mécanismes. C'est très complexe, c'est tout un cours, mais si je peux me résumer, je dirais qu'il y a plusieurs types de mutations qui peuvent se faire dans le corps humain au niveau des ADN et qui peuvent résulter au cancer. D'abord, au niveau des cellules, il y a ce qu'on appelle des gènes suppresseurs de tumeurs et de cancers. C'est-à-dire, ce sont des gènes qui président le phénomène de apoptose, c'est-à-dire de mort programmée des cellules. Si ce mécanisme ou ces gènes ne fonctionnent pas de manière adéquate, vous êtes exposé au cancer. Et un des cancers qu'on voit souvent avec des gènes suppresseurs qui ne fonctionnent bien, c'est ce qu'on appelle rétinoblastome héréditaire. Les rétinoblastomes, ce sont des tumeurs de la rétine. Et chez certains enfants, ils ont ça de manière bilatérale, dans les deux yeux. Et j'ai vu au moins 4-5 cas à Toronto où on a des tumeurs on a quatre tumeurs, dont les deux rétines sont atteintes. Il y a une tumeur au niveau de la glande pinéale et puis au niveau de la selle thoracique. Ils en ont quatre au même moment. Et l'autre type de gène, c'est les gènes oncogènes. En fait, ce sont des gènes qui potentialisent la prolifération cellulaire. Si ces gènes ici, ils ont de l'ascendant sur les autres, ou bien quand il y a un dérangement dans leur fonctionnement, on peut aussi avoir des cancers. Et les cancers qu'on retrouve souvent dans ce type, c'est ce qu'on appelle les néoplasies endocriniennes multiples, surtout les types 2. Les types 2, ce sont des néoplasies, c'est-à-dire une personne a à la fois une tumeur de la glande thyroïde, une tumeur de la glande parathyroïde et un phéochromocytome. Il y a les deux, même type 2, A et B, on ne va pas aller en profondeur. Ou on peut avoir des gènes stabilisateurs ou réparateurs d'ADN qui tombent en panne. Comme pour nos voitures, il y a toujours des mécaniciens qui sont là. Quand quelque chose ne marche pas bien, ils peuvent nous aider à le réparer. De même pour les cellules, ils ont des automécanismes pour réparer le dérangement. Et si ces mécanismes de réparation sont tombés malades, c'est à ce moment-là qu'on a des tumeurs, notamment les leucémies et les lymphomes, ça apparaît dans ce groupe. Avant, quand j'étais à Toronto, pour la première fois que j'ai entendu parler de ces syndromes, parce que même au Japon, je n'en avais pas encore entendu, et la plupart des publications sur ça date de 2017-2018, quand j'ai quitté déjà le Japon. J'ai demandé à un ami, lui, il est spécialiste en génétique, je lui ai dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me faire comment on dit ça? Tu me prends en une journée, parce que leur clinique génétique, c'est le jeudi. Est-ce que tu peux me dire combien de cas de syndrome de prédisposition héréditaire aux tumeurs vous avez? Un seul jeudi, quand vous venez au travail, qu'est-ce que vous avez? Et le soir, il me fait un texto, voici les choses qu'il m'a montrées. Il a dit, ces jours-là, il a vu trois familles dont au moins un membre avait un syndrome de phéochromocytome et paraganglion héréditaire. Il y avait trois autres familles avec les syndromes de Leaf-Romeni. Il y avait deux familles avec les syndromes de von Hippel-Lindau. Il y avait une famille qui avait la mutation qu'on appelle DCR1 avec les blastomes pleuropulmonaires. Les blastomes pleuropulmonaires, ce sont des tumeurs qui envahissent la pleuvre et le poumon. Et c'est de manière congénitale. Donc, un nouveau-né qui naît avec ces tumeurs. Et je n'ai pas présenté les images ici. Ça paraît comme le pneumothorax de manière bilatérale. Donc, un pneumothorax non expliqué chez les enfants et que si vous voyez des lésions kystiques au niveau du poumon, pensez au blastome pleuropulmonaire.
Et il y avait une autre famille avec un syndrome de Beck-Wiedemann. Ceci, ça nous met un peu la puce à l'oreille. Pourquoi? Si vous êtes radiologue, ce malade, quand il vient à l'hôpital, le clinicien va certainement demander un examen de radiologie. S'il les connaît, c'est bien, il les demande. Donc, vous devez savoir quelles sont les lésions à rechercher. S'il ne connaît pas l'examen à demander, il va vous téléphoner pour dire que j'ai un malade qui a le syndrome de Leaf-Romeni. Je voulais un examen de suivi. Qu'est-ce que je peux demander? À ce moment-là, vous agissez comme un expert pour l'orienter. Maintenant, si vous êtes GP, médecin de famille, ce malade ici ne viendra pas voir le spécialiste chaque 2 mois. Donc, ils doivent être suivis dans vos centres et revenir chez le spécialiste quand indiqué. Donc, vous devez savoir quels sont les problèmes que ces malades peuvent présenter, comment le rechercher et à quel rythme, en termes de timing. N'oubliez pas, nous avons affaire aux enfants de 4 à 5 ans et qui doivent être suivis jusqu'à 45 ans. Donc, vous ne voulez pas donner l'impression de le voir de manière trop serrée ni espacer vos visites, comme je vais voir, on va voir avec d'autres cas, et le revoir que quand les cancers sont déjà apparus. Maintenant, quels sont les signes cliniques évocateurs nécessitant une consultation génétique spécialisée? C'est-à-dire que dans ma clinique, là où je suis, je ne sais pas moi, au centre Nganda ou bien à Sandton ou je ne sais pas dans quel pays, quelles sont les choses quand je vois qui doivent me faire penser à un syndrome de prédisposition au cancer et demander la consultation au spécialiste indiqué? C'est par exemple qu'on a un excès de cancer au sein d'une même branche parentale. C'est-à-dire qu'un malade, un membre de famille a un hémangioblastome et ou un phéochromocytome ou un cancer des cellules rénales, vous pensez déjà à une maladie de von Hippel-Lindau. Ceci veut dire que ce malade-là doit bénéficier des examens pour faire le bilan d'extension, mais tous ses jeunes frères, surtout sœurs, qui sont dans la même famille, doivent être examinés aussi. L'autre cas, c'est quand on a une précocité de survenue des cancers. Vous avez une fillette de 6 ans qui a des cancers des seins de manière bilatérale. Il faut rechercher l'étiologie de manière génétique, mais aussi examiner les autres membres de famille. Mais aussi savoir quels sont les syndromes de prédisposition au cancer qui peuvent, chez qui on peut avoir des cancers bilatérales des seins et déjà savoir les autres cancers possibles, comment le rechercher. Donc, c'est un peu ça le puzzle. Et par exemple, si on a des signes particuliers, par exemple, en cas de hypertrophie, une partie du corps est plus large que l'autre partie. Là, nous pensons déjà au syndrome de Beck-Wiedemann. Je vais montrer ça. Que ces mots ici ne fassent pas peur, c'est beaucoup plus à titre indicatif. Les syndromes, il y en a beaucoup et il y a de la littérature. Donc, ce que moi, je veux, que vous compreniez que ces concepts existent et comment est-ce qu'on peut jongler tout autour. C'est ça l'objectif, pas vraiment de retenir chaque syndrome en tant que tel, parce que ce sont des maladies rares. Maintenant, reconnaître ces enfants et ces familles à risque nous permet d'abord une prise en charge précoce et adéquate. Ça nous permet de connaître ces malades-là, chercher dans leur famille qui sont des personnes, des sujets à risque et comment les suivre. Mais aussi, ça nous permet un counseling génétique pour la procréation. Donc, si quelqu'un on trouve qu'il y a une maladie et on pense que ça va être transmis dans sa progéniture. Ici, en Occident, certaines personnes peuvent choisir d'adopter un enfant que de faire un enfant qui sera malade et qui va, d'une manière ou d'une autre, conditionner son train de vie. Mais aussi, connaître ces malades permet de faire ce qu'on appelle une chirurgie de surveillance, mais aussi une chirurgie prophylactique, si ça vaut la peine. Maintenant, l'autre versant de la médaille est que, à cause de ces entités, il y a une augmentation en besoin d'imagerie pour dépister, pour surveiller et pour faire le suivi des traitements. Maintenant, au radiologue, voici les questions qui seront posées pour ces malades. Comme j'ai dit, quand ce malade viendra, il va avoir le professeur Lumaka en haut et le prof Lumaka va vous poser des questions. Donc, la première question, c'est quand examiner ces patients? C'est vrai, ce malade a le syndrome de Leaf-Romeni, je l'ai vu au mois de janvier. Je dois le revoir quand? Pour que ça ne soit pas trop serré, mais que ça ne soit pas trop espacé non plus. De deux, quels sont les examens ou les modalités radiologiques que nous devons utiliser pour surveiller ces patients? Remettons-nous en mémoire que ce sont les enfants. Nous savons que la radiologie simple ou conventionnelle, mais aussi les scanners, sont déjà cancérigènes par elles-mêmes.
Donc, on va les éviter le plus possible. Mais aussi, quelles sont les trouvailles escomptées? C'est-à-dire, si je fais lire un corps entier, on va voir quelques cas ici. Quelles sont les trouvailles qui doivent, que je dois chercher pour pouvoir trouver la maladie? J'ai dit, il y a deux scénarios possibles avec ces cas pour les radiologues, par exemple, pour ces syndromes héréditaires de prédisposition au cancer. Le premier cas, c'est un malade qui a une tumeur déjà détectée. On trouve que ce malade a le sarcome et on sait qu'il a le syndrome de Li-Fraumeni parce que ce sont eux qui font beaucoup plus de sarcomes. Et on te demande juste de faire un bilan de diagnostic, de surveillance, du traitement, aussi de rechercher les récidives et les métastases à distance. Ça, c'est le scénario qu'on voit souvent en radiologie, c'est classique. Mais l'autre, c'est maintenant, en génétique, on trouve que le patient a une mutation. Et on demande de faire le bilan d'extension chez ce malade-là, mais aussi d'examiner radiologiquement ses frères et ses sœurs pour trouver si l'un ou l'autre parmi eux a déjà la maladie et quels sont les tests à faire. C'est maintenant ici que la culture générale radiologique va s'appliquer. Maintenant, pour passer au concret, passons un peu en revue quelques cas de syndrome de prédisposition au cancer. J'en ai pris cinq juste pour rester dans le temps et laisser beaucoup plus de temps pour la discussion. Le premier, ça sera les syndromes de Li-Fraumeni. Et puis, on va parler des syndromes de Beck-Whipple-Whitman. On va parler de la neurofibromatose de type 1, de type 2, et puis les syndromes de von Hippel-Lindau. Syndrome de Li-Fraumeni, c'est au fait le syndrome le mieux connu parmi ces malades ici. Et ça a été décrit en 1969 par Frédéric Li et Joseph Fraumeni. Ce sont deux professeurs de l'université de Harvard aux États-Unis. Ce n'est pas la meilleure université du monde. Et seulement, c'est la mutation au niveau des gènes TP53. C'est parmi les mutations les mieux connues dans le milieu ici. Et la transmission se fait de manière autosomique dominante. Maintenant, comment ça se dépiste? Souvent, ce sont des patients qui ont un sarcome avant 45 ans, plus un membre de famille avec un cancer avant 45 ans ou un autre sarcome. Donc, quand on a deux sarcomes dans une même famille, pensez déjà à un syndrome de Li-Fraumeni. Ou alors, on a un patient avec multiples cancers, au moins deux sont dans les spectres. Je vais montrer les spectres. Et les patients avec corticosurrénalome, une tumeur de la glande surrénale ou une tumeur du plexus choroïde au niveau des ventricules du cerveau. Maintenant, dans ces diagrammes ici, à gâteau, je vous montre les tumeurs qu'un malade avec le syndrome de Li-Fraumeni peut avoir. Vous voyez qu'en 25% des cas, ils peuvent avoir un carcinome du sein. Ils peuvent avoir dans 17% les sarcomes des tissus mous. Ils peuvent avoir dans 16% des cas une tumeur du cerveau. Et toutes ces autres tumeurs aussi peuvent paraître chez la même personne. En d'autres termes, si un malade a un syndrome de Li-Fraumeni, il a 100% de chances de faire au moins un cancer dans sa vie, au moins. Et 50% des malades auront au moins un cancer quand ils auront 40 ans. Et je pense que dans l'audience ici, 95% des personnes ont déjà 40 ans, au moins. Et en 90% des cas, on aura au moins un cancer à l'âge de 60 ans. Et les patients hommes sont beaucoup plus atteints. Ça, c'est un cas pour passer au cas clinique. C'est un malade qui est venu avec des troubles oculaires à droite et on a fait l'IRM. Ça, on trouve, il y a comment l'œil droit, l'œil gauche, à l'imagerie, IRM au scanner, ce qui est à gauche de vous, c'est toujours le côté droit, conventionnel. Et ce qui est à votre droite, c'est comme si vous regardez le malade en face. Et même quand vous avez une coupe axiale comme ça, on garde la même nomenclature, la même posture. Donc, ce qui sera à votre gauche, c'est le côté droit du malade. Donc, pour ce malade, on a cette masse ici. Regardez, c'est comme pour la radiographie du thorax, la radiographie normale du thorax. On va toujours de gauche à droite à chaque niveau. Les structures similaires bilatérales au même niveau doivent être similaires d'apparence aussi. Et ici, on trouve qu'au-dessus de le globe à gauche, il n'y a rien. On peut avoir le muscle extraoculaire, mais à droite, on ne voit pas ce muscle, mais il y a plutôt cette masse ici qui rehausse tant soit peu au produit des contrastes. Et ça, cancer, une masse au niveau de la base du crâne chez un enfant,
jusqu'à la preuve du contraire, c'est un rhabdomyosarcome, même avant biopsie. Et comme vous le savez, dans les milieux nantis, l'IRM doit approcher l'histopathologie à 95%. Donc, si vous êtes ici, l'ophtalmologue ne va pas vous demander si y a une masse ou pas. Parce que lui, au même moment que vous, il peut avoir accès au PATH, il verra ça. Il va vous demander, est-ce que c'est un rhabdomyosarcome ou bien c'est une histiocytose X? Parce que ça peut paraître aussi au même niveau. Donc, c'est au radiologue de dire. Et comme on sait que le rhabdomyosarcome, et d'ailleurs chez le même malade, quand on va au niveau de la tête, on trouve cette masse ici qui est presque iso-intense par rapport à la substance grise au niveau de la ventricule cérébrale à gauche. Et ça, c'est un carcinome du plexus choroïde. Avoir les deux chez le même patient, on sait déjà que nous sommes dans le spectrum de syndrome de l'hyphroménie. Donc, il faut rechercher les autres lésions au niveau du thorax et de l'abdomen. C'est pour cette raison que ce scanner ici a été fait. Et ce malade ici, regardez, c'est une fille de 13 mois. Une fille de 13 mois à l'IRM, ça veut dire que l'IRM se fait sous anesthésie générale. Et moi-même, je fais une étude avec mon étudiant PhD. On essaie de voir l'avenir neurologique des enfants qui ont reçu beaucoup d'IRM sous anesthésie générale, si leurs fonctions neurocognitives seront affectées comparées aux autres enfants. Et le premier résultat montre que l'anesthésie générale peut, d'une certaine façon, altérer l'avenir neurocognitif. Et dans un hôpital pédiatrique, les gens seront malades, très furieux, si parce que vous êtes radiologue ou bien clinicien, vous avez manqué une lésion, on doit faire revenir le malade, l'endormir encore pour faire un examen. En d'autres termes, ces malades, quand on a vu ces lésions ici, on savait qu'on doit aller rechercher d'autres lésions sous le même sommeil, c'est-à-dire avec la même anesthésie, on le déplace de l'IRM, on l'amène au scanner. C'est comme ça qu'on a eu ce scanner ici. Et le scanner nous montre un corticosurrénalome. Il y a une autre tumeur au niveau de la glande surrénale à gauche. Et le tableau est conclu. On sait que, et puis cliniquement, le malade avait ce qu'on appelle le syndrome opsoclonus myoclonus. Il avait aussi un neuroblastome. Ça, c'est un syndrome, les cliniciens connaissent ça mieux que moi, où on a des mouvements saccadés des yeux avec de jerk au niveau des membres. Donc, ici, pour les radiologues qui sont dans l'audience, on doit savoir, un, surveiller des malades pendant qu'ils sont en scanner et anticiper, obtenir d'autres examens si vous êtes dans le milieu où l'argent n'est pas un facteur limitant. Par exemple, vous faites un DFMS en France ou vous êtes en Afrique du Sud, là où l'argent en soi peut ou ne pas être vraiment le frein. C'est beaucoup plus des connaissances. Donc, c'est ça le scénario. Maintenant, comment faire le dépistage? Pour les syndromes de l'hyphroménie, la littérature recommande l'IRM corps entier chaque 12 mois à partir des diagnostics. Et l'IRM de la tête chaque 12 mois sans produit de contraste. Et pour les radiologues, vous savez qu'il a été démontré que les produits de contraste sur base de gadolinium se déposent au niveau de la tête, notamment au niveau des noyaux dentés, au niveau du cervelet et au niveau des noyaux gris centraux. Jusque-là, il n'y a pas encore d'études qui démontrent que ça va causer des problèmes neurocognitifs chez l'enfant, mais j'ai oublié le terme en anglais. Des good practices recommandent qu'on donne des produits de contraste que lorsque c'est vraiment indiqué. Donc, si le premier examen était négatif, on n'injecte pas. Et si l'anesthésie générale n'est pas indiquée, on peut faire l'IRM chaque 6 mois. Mais ce qui nous concerne, c'est faire une échographie abdominale chaque 3-4 mois, comme on a vu chez malade là. Donc, si le malade n'avait pas de problème oculaire, comme il n'avait pas d'hydrocéphalie comme ici, il n'y a pas d'hydrocéphalie encore vraiment prononcée. Et si cette masse ici n'était pas trop prononcée, ce malade allait se promener à l'hôpital avec des maux de ventre sans trouver le diagnostic. Donc, avec ça, quand on trouve un corticosurrénalome, on sait que c'est soit dans les l'hyphromonie ou soit dans les syndromes de Beck-Whitfieldman. Et on serait parti rechercher les autres lésions et on allait les trouver. Ça, c'est un exemple de l'IRM corps entier. Comment ça s'est fait? On met le malade sur la table et il y a ce qu'on appelle des stations, donc des cordes qui vont prendre chaque partie du corps. Ça prend la tête et un peu la partie supérieure. On prend le tronc, on prend la partie inférieure, on prend le membre. Il y a un software dans la machine qui va vous recomposer ça pour vous montrer comme si la personne était debout. Maintenant, c'est quoi l'importance? Regardons ce malade ici. C'est une fille de 14 ans avec un syndrome de l'hyphroménie et on suit l'évolution. Au départ, tout ce qu'on avait vu, c'est cette tache ici.
Et quand vous voyez ça de loin, vous risquez de croire que c'est même un ganglion. 6 mois après, on trouve que la tâche, elle est là. C'était difficile de dire que si ça a augmenté de volume ou c'est resté stable. Et 6 mois après, on trouve que ça commence à prendre de volume et après, le cancer, c'est bien, ça a été confirmé ici. Donc ça, c'est l'image magnifiée. Au départ, tout ce qu'on avait, c'était ça. Quelqu'un peut se dire que c'est juste un artefact. Les radiologues appellent artefact toute image qui n'a pas de traduction anatomopathologique qu'on voit sur l'image. Par exemple, si on prend la radio du thorax et vous avez votre chaînette au cou, ça, on ne peut pas appeler ça artefact. Mais sur le plan technique, il y a aussi des artefacts. Par rapport à quand on prend des séquences, il y a des signaux, tout ça c'est complexe, je ne vais pas expliquer. Donc au départ, on peut penser que c'est un truc pareil. Mais chez un malade à un syndrome de prédisposition au cancer, l'index de suspicion doit être très élevé. C'est de même quand on recherche les cas de child abuse, les enfants qui ont été abattus par les parents, par les tierces, votre index de suspicion va être très élevé. On passe au deuxième syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Beck-Wiedmann. C'est le syndrome, c'est quand même assez rare, mais c'est caractérisé par une hyperplasie de l'hémicorps. On le voit environ à un cas sur 13 000 naissances vivantes et 80% des cas sont sporadiques. Mais à 15% des cas, c'est lié à la génétique. Et la mutation, c'est au niveau des chromosomes 11p qui régule entre autres les gènes d'insuline like growth factor. Et ces gènes ici, c'est parmi les gènes qui régulent la sécrétion de l'insuline au niveau du pancréas et ce qui peut expliquer la croissance. Mais sur le plan clinique, qu'est-ce que nous avons, comme on voit ici? Regardez bien le membre inférieur de cet enfant. Le côté droit paraît beaucoup plus volumineux que le côté gauche. Et ça, c'est d'ailleurs plus discret. Mais il y a des cas où c'est vraiment, vous savez, c'est comme si c'était le double. Et ils ont une macroglossie, des grosses langues qui sont, qui restent dehors. Et il y a une anomalie de la paroi de l'abdomen. Ça peut être l'omphalocèle ou autre. Et puis regardez l'oreille de ce côté, c'est beaucoup plus volumineux que l'autre côté. Donc, ce sont les signes cliniques. Les cliniciens peuvent déjà voir ça. Pas seulement les cliniciens, même le family doctor, même le GP peut voir ça. Parce que ça sera un enfant qui va être né s'il n'a pas suivi de bonnes consultations prénatales. Et vous allez voir ces éléments-là. Donc, c'est à ce niveau-là déjà que la suspicion doit être faite et le malade doit être envoyé en génétique pour des explorations beaucoup plus poussées. Maintenant, dans les Beck-Wiedmann, quels sont les syndromes, le tumeur le plus rencontré? Excuse me. Le premier tumeur, ce sont les appelés les tumeurs de Wilms. Ce sont des tumeurs qu'on trouve beaucoup plus au niveau des reins. Ils se trouvent au niveau des reins. Il y a ce qu'on appelle les hépatoblastomes. Ce sont des tumeurs qui souvent sont congénitales au niveau du foie. Et il y a d'autres tumeurs comme les corticosurrénalomes qu'on a trouvées dans les livres Roménie, mais on peut avoir des neuroblastomes ou des rhabdomyosarcomes. Ça, c'est un exemple. C'est un patient de 2 ans qui a un syndrome de Beck-Wiedmann. On peut voir, ça, c'est le rein droit, ça, c'est le rein gauche. Et normalement, les reins à la phase portale et l'aorte et la veine cave inférieure sont rehaussés et le rein doit être totalement rehaussé. Mais quand on regarde ici, on voit cette lésion qui est bien limitée et relativement hypodense par rapport au rein. Et on le voit de manière bilatérale. Regardez, c'est un enfant de 2 ans qui a 2 cancers au niveau des 2 reins. Déjà en soi, ça vous met dans le piste d'un syndrome de prédisposition. Donc cet enfant est né avec des malformations génétiques qui les prédisposent au cancer. On doit rechercher. Et ça, c'est le follow-up. On le voit bien à droite. Il y a même 2 cancers maintenant. Si vous ne connaissez pas que cette entité existe, vous risquez de croire que ça, c'est le cancer ou la tumeur primitive. Et ce qu'on voit à gauche, ce sont les métastases. C'est faux. Ce sont 3 tumeurs synchrones consécutives au niveau des 2 reins. Et vous savez, les reins, comment il est vital. Donc, si on doit enlever, tôt vous le trouvez, plus on peut faire une résection partielle du rein et enlever la masse. Et quand tout est déjà atteint, vous êtes dans le monde des transplants et des dialyses. C'est un malade qui aura certainement d'autres tumeurs, ce qui viendra avec des chimiothérapies et les autres. Donc la prise en charge sera beaucoup plus compliquée. Ça, c'est un autre malade, 3 mois. Il est né avec le comment de, il y avait une élévation des alpha-fétoprotéines. Et comme on sait,
Les alpha-fétoprotéines, c'est une protéine qui est produite par les cellules hépatiques quand ils sont en croissance. Pendant la période intra-utérine, elle est très élevée. Et après la naissance, ça doit diminuer de manière exponentielle. Quand ça continue à monter, c'est quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut rechercher. Je pense que dans les hépatocars aussi, ça peut être élevé. Bon, ça fait longtemps que j'ai lu sur ça. Mais du moins pour l'hépatoblasto, c'est un indicateur et même un paramètre de suivi. Non seulement de l'évolution du traitement, de la tumeur, mais aussi du traitement. Et si on peut voir, ça c'est une image en T2. Pourquoi image en T2? Parce que je vois les liquides céphalo-rachidiens paraître en blanc. Ça c'est une image en T1. Pourquoi? Parce que je vois les liquides céphalo-rachidiens paraître en noir. Si vous connaissez ça, les deux éléments-là, vous connaissez tant soit peu ce qu'on appelle T2 et T1 pour les non-radiologues ou les radiologues qui ne sont pas très familiers encore avec l'IRM. Et pour ces malades ici, on a fait la suppression des tissus adipeux. Comme on peut le voir ici, normalement, les tissus adipeux paraissent très blancs parce qu'ils sont très riches en oxygène, en hydrogène, qui est l'élément exploité pour avoir le signal en IRM. Maintenant, comment faire le dépistage et la surveillance? Comme j'ai dit, alpha-fétoprotéine, c'est votre ami pour le bêta, pour le Beck Wiedemann. Il faut doser ça chaque 3 mois jusqu'à l'âge de 4 ans. Et puis, on demande aux parents de faire une palpation abdominale eux-mêmes chez l'enfant, presque chaque jour. Et on demande des cliniciens, GP, médecins de famille ou médecins généralistes de revoir cet enfant chaque 6 mois pour faire un bon examen abdominal. Plus vous le voyez, plus vous serez capable de détecter s'il y a des changements de manière assez précoce. Et il faut faire une échographie abdominale chaque 3 mois jusqu'à l'âge de 7 ans. Pourquoi jusqu'à l'âge de 7 ans? Parce qu'on pense qu'après 7 ans, les risques de développer un hépatoblastome, c'est le même risque que la population générale. Donc, ce suivi ne s'explique plus. Maintenant, on va parler de notre syndrome. Ça, on connaît quand même beaucoup, même à Kim, ce qu'on appelle la neurofibromatose de type 1 ou maladie de Recklinghausen. C'est parmi le syndrome de prédisposition au cancer qu'on connaît plus, même dans nos milieux, on a au moins entendu parler de ça. On a une prévalence d'au moins un cas sur 30 000 naissances vivantes. Et ce syndrome prédispose à un dérangement au niveau neurologique, mais aussi des symptômes au niveau de plusieurs organes. Et la mutation sur le niveau des gènes qu'on appelle NF1, ou les neurofibrine, qui est un suppresseur de RAS. RAS, au fait, c'est un gène qui se trouve dans les cascades des gènes. On le voit souvent en neuroradiologie, chez les enfants qui viennent avec les gliomes de bas grade. On ne va pas parler de ça ici. Mais la transmission s'est faite de manière autosomique dominante. Maintenant, sur le plan clinique, comment diagnostiquer? Je ne sais pas ça, c'est un cours que j'ai préparé il y a environ 6 mois. Je ne sais pas si on a changé les choses dans l'entretemps, mais il y a des éléments, des signes cutanés, oculaires et squelettiques. Et puis, l'histoire des NF1 dans la famille. Par exemple, quand on a plus de 6 cafés au lait, de macules de café au lait, si on a plus de 2 neurofibromes, ou bien si on a un neurofibrome plexiforme, ou on a plus de 2 nodules de Leech, c'est-à-dire au niveau de l'œil, ou on a une dysplasie osseuse. Et ce malade ici, avec les symptômes qu'on appelle NF1 ou la neurofibromatose de type 1, ils font souvent les gliomes du nerf optique ou du chiasme optique. Ils font des gliomes cérébraux, ils font des neuroblastomes, ils font des leucémies, ils font des tumeurs de stroma gastro-intestinal, ils font des phéochromocytomes, ils font des rhabdomyosarcomes. Vous voyez toutes ces tumeurs ici. Si vous avez ces syndromes, en tout cas avant 40 ans, au moins une des tumeurs va se manifester. Ça, c'est un exemple de malade de 12 ans qui a les syndromes, les NF1. Ce sont des images que j'ai prises dans StatDx. C'est ici. StatDx, c'est un site ici en Amérique du Nord où on a rassemblé tous les livres de radiologie dans un site. Donc, vous payez l'abonnement, c'est environ 2 000 $ l'année et vous avez accès à ces images même pour les teachings. Donc, par honnêteté scientifique, je dois indiquer que c'est là que j'ai pris ces images. Mais ça montre très bien ce malade qui a ce qu'on appelle le neurofibromatose ou le neurofibrome plexiforme de l'œil. Regardez cette proptose, regardez toute cette tumeur qui prend le.
ça c'est déjà en T2, ça montre un hypersignal. On ne sait pas très bien délimiter parce que c'est très infiltrant. Et quand on vient ici, ça c'est une image à 3D, on peut voir, ça c'est le muscle extraoculaire, ça c'est le nerf optique. Mais regardez, on a parlé des dysplasies osseuses. Ça c'est l'os sphénoïde qu'on voit ici, et à droite, ça manque. Donc, on a un conglomérat de signes et on voit même l'extension de ces neurofibromatoses plexiformes ici dans la partie sous-cutanée. Donc, ça, c'est très typique de NF1. Ici, chaque jeudi, nous avons ce qu'on appelle le Brain Tumor Conference où on présente environ 20 cas de tumeurs qui viennent pour le suivi et au moins un de ces malades aura NF1. Donc, c'est une pathologie très connue ici et très fréquente. Et ici, on peut voir, ça, ce sont les nerfs optiques. Regardez comment c'est épais. Normalement, les nerfs optiques doivent être comme ça. Très fines et longues. Ça, ici, déjà, c'est un gliome. Et ici, on voit comment c'est non seulement c'est épais, mais les nerfs optiques de la partie préchiasmatique, le chiasma, c'est épais. Et puis, les fibres optiques ici, à la partie proximale, c'est aussi épais. Donc, ça, ce sont des gliomes. Et quand vous voyez ça, même isolé, pensez au NF1 et faites les examens qui doivent suivre. Pour ces malades, comment dépister et surveiller? Il faut un examen physique au moins une fois par année. Il faut envoyer un ophtalmologue. Il doit être suivi de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. L'ophtalmologue va déterminer les espaces par rapport au risque qu'il va évaluer lui-même et faire une évaluation régulière de la pression artérielle. Ces malades, ils font facilement des hypertensions artérielles, mais surtout au niveau de la tête, ils font ce qu'on appelle les maladies de Moyamoya, c'est-à-dire une sténose des artères carotides internes au niveau de l'aire terminale, au niveau des cercles de Willis, et le branche M1 vont être vraiment sténosés. Il y a développement des collatéraux et ça donne l'exemple de Moyamoya. Je vais montrer un exemple rapidement ici. Je trouve ça dans la littérature. Moyamoya, image. Donc, ça, ce qui arrive normalement, quand vous faites l'IRM avec votre temps de flight, on peut voir la partie terminale de carotide interne, c'est jusqu'ici. Ici, on a la communicante antérieure et puis on a les M1. On voit les branches ici qui vont en latéral, des branches de l'artère cérébrale moyenne qui sont ici. Mais en cas de Moyamoya, c'est ce qui arrive. Tout ça s'est disparu. Parce que les gros dessins, ça vient à partir de carotides internes, comme c'est sténosé. Maintenant, pour compenser, le cerveau développe des collatéraux pour suppléer. Et ça donne cet exemple. C'est comme s'il y avait le fumé quand vous prenez la cigarette. Et la fumée commence à disparaître. Ce qu'on appelle en japonais moyamoya. Donc, c'est pour traduire cet aspect ici. Et le malade avec le NF1, ils font ça. Donc, si vous faites une IRM de la tête, c'est un malade qui a du moyamoya, vous ne faites pas l'état de flat, c'est une erreur de pratique. Et si c'est un examen, vous avez perdu toute la question. Parce que ces malades-là vont faire des saignements parce que les collatérales qui apparaissent ne sont pas aussi résistants que ça. Quand il y a des pics, il y a des à-coups hypertensifs, ça va sauter, il y aura un AVC. Mais aussi, ces malades doivent faire des examens neurologiques et orthopédiques. On leur demande de faire une IRM corps entier à partir de 16-20 ans, effectivement, pour rechercher ces lésions. Ça, c'est un exemple d'un patient qui a les NF1. Au niveau de la tête, il y a ce que nous appelons les FASI. Focal Area of Signal Intensity. On ne connaît pas leur valeur diagnostique et leur signification clinique à ce jour. Ce sont des lésions en T2. Ça, c'est une image en flair. Donc, flair, c'est un T2 où on a enlevé le signal de l'eau, si on peut prendre ça en résumé. Et c'est comme la moimbe au home. Quand tu ne sais pas préparer, tu prends la moimbe, tu ajoutes à tout ce que tu prépares, ça sera bon. Donc, pour la neuroradiologie, ça, c'est comme l'image qui te donne comme des overlooks. C'est comme si tu regardais la cité à partir d'en haut d'un immeuble. Ça peut te dire ce qui se passe. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle un neuroblastome. C'est une tumeur qui apparaît au niveau des rétropéritoines. Et on voit, ça envahit même les vaisseaux rénaux à droite. Et
Ici, il y a déjà un envahissement du rein droit. Pourquoi? Regardez, j'ai dit à cette phase ici, portal, normalement, le rein doit rehausser de manière uniforme. Mais ici, regardez, cette tache ici, ça ne s'explique pas. Ça veut dire qu'il y a des cellules de tumeurs qui ont déjà envahi là-bas. Et ici, c'est très important parce que quand on a ça, il y a ce qu'on appelle des RDF. Je suis en train de publier un article sur ça. Normalement, les le chirurgien ne vont pas aller ouvrir s'il y a des envahissements de pellicule. Ils vont passer par la chimiothérapie, espérant que le cancer va diminuer de volume jusqu'à ce que ça va libérer les vaisseaux et puis ils vont aller enlever. Donc, si vous êtes radiologue, il faut vraiment décrire les structures qui sont envahies parce que ça conditionne les traitements. Et ici, c'est un autre malade, on voit un autre neuroblastome. C'est cette tumeur ici qui repousse les reins droit à gauche et on voit le marge entre la tumeur et le rein ne sont plus aussi clairs. Ça, c'est un malade, rhabdomyosarcome de la tête, on peut voir ça. Et 7 ans après, on a fait une IRM, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cette lésion ici. C'est ça l'importance de l'IRM corps entier. Au début, quand on a trouvé la masse ici, ce qu'on voit ici, c'est le changement post-opératoire. Mais après, quand on a fait avec le suivi, parce qu'on a dit qu'on doit faire ça chaque année, après, regardez cette tumeur quand elle a été détectée. Vraiment, quand c'est petit, c'est un fibrome non ossifiant. C'est une tumeur bénigne, mais c'est bien de les détecter parce qu'un sarcome peut sortir de là-bas chez un malade qui a les lymphes remaniées. D'où? Ouais. Maintenant, on parle de l'autre témoin. On a parlé de neurofibromatose type 1. Maintenant, on va parler de type 2. Ça, c'est aussi fréquent. Et généralement, on le voit un cas sur 25 000 naissances vivantes. Et la mutation, c'est ce qu'on appelle des NF2, qui se fait au niveau des chromosomes 22. Et ils sont champions en schwannome. Ils font une schwannomatose. Souvent, il y a des antécédents dans la famille et il y a perte d'audition et ils doivent être suivis par les ORL de manière spécifique. Je donne un exemple. Et quelles sont les tumeurs qui sont ici? Pour ceux qui vont faire des examens de board, quand vous venez en Occident, même en Afrique du Sud pour la radiologie, ça ne manque jamais. Quelles sont les tumeurs associées au NF1? Il y a un mot mnémotechnique, MIS-MI, Multiple Inherited Schwannoma Meningioma Ependymoma. Ça ne manque jamais. Donc, ces malades ici seront exposés à faire des schwannomes, souvent des nerfs auditifs, mais ils vont faire des méningiomes et des ependymomes. Et pour des radiologues, vous devez être capable de distinguer ces tumeurs ici à l'imagerie, pas avec la biopsie. Parce que quand vous les diagnostiquez clairement, parce que les trois ici, ça sera dans la colonne. Quand on fait la colonne, on trouve ces différentes tumeurs ici. Et si vous appelez les tous comme les méningiomes, ça devient un cas bénin, ça passe. Mais si vous différenciez que parmi les tumeurs que vous voyez, il y en a des schwannomes, il y en a des méningiomes, il y en a des ependymomes, ça veut dire aux cliniciens que nous avons affaire probablement à un syndrome de prédisposition au cancer qui est la neurofibromatose de type 2. Ça veut dire qu'ils doivent convoquer les membres de famille qui vont faire des IRM corps entier. Ça veut dire, en d'autres termes, que si on rate ici et que le syndrome est découvert, c'est un des frères du malade qui n'a pas été diagnostiqué à temps, donc vous êtes poursuivable en justice ici au Canada. On appelle ça le standard of care. Quelles sont les chaînes de réaction qui doivent suivre? Mais les transformations malignes sont rares. Ça, c'est un cas. Souvent, c'est comme ça. On a ces masses ici au niveau des angles ponto-cérébelleux. À gauche, ça, c'est une masse au niveau des conduits auditifs internes, des deux côtés. Mais quand vous regardez ici, au niveau du sinus caverneux, il y a un rehaussement et c'est vraiment épais. Ça, c'est un méningiome. Donc, ça, c'est un schwannome. La forme et la localisation, c'est un schwannome. Ça, c'est le nerf 7, mais ça peut être le nerf 5, le trisuminal, qui va comme ça, ça sort en partie au niveau de la partie latérale du pont et ça va entrer dans le sinus caverneux. Mais ici, si on est dans le sinus, regardez comment c'est qu'on appelle le méningiome en plaque. On doit appeler ça méningiome. On ne va pas dire tumeur, il y a une tumeur au niveau. Non, il faut appeler ça méningiome de manière distincte parce que la radiologie, l'IRM doit appeler méningiome, méningiome à plus de 99%. Et de côté gauche, parce qu'en radiologie, comme je l'ai dit avant, il y a ce qu'on appelle effet éléphant.
C'est-à-dire que quand vous avez vu la grande lésion, vous avez tendance à vous arrêter là. Souvent, vous ratez la petite lésion qui va tuer le malade. Ce malade ici, c'est vrai, il a le schwannome des deux côtés, il a un méningiome ici, mais il a une thrombose du sinus caverné ici, ce qui peut l'emporter. Pourquoi? Parce que ça, c'est un examen rehaussé. Le sinus ici, c'est là où on a le bain de sang. Ça doit prendre des contrastes. Donc, partout, partout ici, ça doit être blanc comme la tumeur ici. Comme on voit, ce qu'on voit ici, ça veut dire qu'il y a une thrombose. Ça veut dire que le produit des contrastes n'est pas passé. Et ça, on peut avoir des thromboses ailleurs et ce qui peut emporter le malade. Maintenant, comme j'ai dit, neurofibromatose de type 2 doivent être suivis par des ORL. On a besoin de l'hérome corps entier, l'hérome du rocher, chaque 6 à 24 mois, et le patient doit être suivi jusqu'à 24 mois. Ça, c'est un exemple. À 8 mois, regardez ce que le malade avait. C'est juste ce schwannome ici, au niveau, je ne sais pas moi, C2, C3 ou bien C1, C2. Mais à l'âge de 10 ans, tout ce qu'on voit ici, ce sont des masses. Et par conséquent, il y a une compression médullaire qui va emporter le malade. Le dernier, c'est ce qu'on appelle le syndrome de von Hippel-Lindau. On le voit un cas sur 30 000 ou 50 000 naissances vivantes. C'est souvent des tumeurs vasculaires bénignes et des croissances lentes. La prédominance, c'est au niveau des fosses postérieures. C'est là que vous allez les retrouver. Et les gènes de tumeurs suppresseurs, c'est de von Hippel-Lindau, c'est le nom du gène, qui est au niveau des chromosomes 3P. Pas besoin de mémoriser ça, c'est juste à titre informatif. Et la transmission, c'est autosomale dominante. Souvent, qu'est-ce que nous avons? Le malade a les critères diagnostiques. Si dans la famille, on connaît déjà qu'il y a le syndrome de VHL, il y aura certainement l'hémangioblastome rétinien ou du cervelet, le carcinome à cellules rénales ou phéochromocytome. S'il n'y a pas d'antécédent dans la famille, quand tu vois déjà l'hémangioblastome rétinien, ou au niveau du cerveau, il faut l'appeler comme tel. Les tumeurs associées dans le syndrome de von Hippel-Lindau, c'est les hémangioblastomes, les cancers à cellules claires du rein, les phéochromocytomes et les tumeurs de la glande surrénalienne. On peut avoir des cancers des îlots de l'enguerrance du pancréas, mais on peut aussi avoir des kystes au niveau du pancréas. Ça, c'est un exemple. Quand vous faites la radiographie de la tête, l'IRM de la tête, tout ce qu'on voit, c'est cette petite masse ici. C'est pourquoi moi, je suis d'avis que peu importe les milieux, l'IRM et les scanners doivent être appris par les assistants dès la première année. On ne doit pas passer une année, 2 ans à faire la radiologie simple parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'IRM sur le plan technologique et sur le plan clinique. Parce que nous savons qu'une masse au niveau de la rétine comme celle-ci, il n'y a que deux grand diagnostic différentiel qui va être juste dans plus de 95%. Soit c'est métastase de mélanome ou c'est hémangioblastome de la rétine. Et quand vous les appelez comme tels, chez un jeune enfant, c'est vrai, je vais parler d'un syndrome de prédisposition au cancer. Chez l'adulte, on va chercher la lésion primaire de mélanome qui va envoyer ces métastases à ce niveau-là. Maintenant, chez le même malade, on fait l'examen, l'IRM, ça c'est au niveau du tronc cérébral. Et ce qu'on retrouve, c'est cette masse ici. C'est une masse mixte qui a une composante kystique, cette partie-ci, et une autre composante solide qui prend les produits de contraste. Maintenant, comme neuroradiologue ou comme radiologue, on doit être capable de dire que ce qu'on voit ici, c'est un hémangioblasto, parce qu'il y a une autre tumeur qu'on appelle les astrocytomes pilocytiques qui peuvent avoir de même, qui peuvent paraître au même à la même localisation et avoir la même image. Mais la différence, c'est que dans les hémangioblastomes, la partie kystique ne montre pas les liserés des rayonnements qu'on aimerait voir avec les astrocytomes pilocytiques. Sorry. Ça, c'est un autre exemple. C'est un malade avec von Hippel-Lindau. C'est un malade qui vient avec des transpirations profuses et des palpitations cardiaques. Et on savait qu'il avait déjà le von Hippel-Lindau. Quand on a fait l'IRM, on trouve qu'il y a une masse, ça c'est la surrénale, à gauche, ça c'est à droite. Donc il y a des phéochromocytomes de part et d'autre, ce qui explique cette symptomatologie. Ça c'est un autre malade, c'est son frère de 12 ans qui a aussi des phéochromocytomes de manière bilatérale. Comme j'ai dit, des cancers qui atteignent des organes symétriques au même moment, pensez au syndrome de prédisposition.
un frère qui a le même syndrome, c'est plus que clair que c'est de la génétique. Donc, on est dans le syndrome de prédisposition au cancer. Donc, je passe ça, on peut passer. Ça, c'est un autre exemple de l'IRM corps entier post-opératoire de phéochromocytome. On voit ici des petites lésions. Ça peut être débattable. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce c'est juste une structure vasculaire ou bien une masse? Mais c'était des phéochromocytomes à long terme. Mais dans le suivi, 2 ans après, il y avait une autre tumeur qu'on ne voyait pas ici dans la tête qui est apparue ici, qui est un hémangioblastome. D'où l'erreur de l'IRM corps entier. Ça te permet de balayer tous les corps avec une image de grande précision et de détecter les tumeurs quand elles sont aussi petites que celles-ci, même celles-là. En conclusion, la génétique devient de plus en plus partie intégrante de la pratique moderne de l'oncologie. Elle permet non seulement les diagnostics précoces des syndromes héréditaires de prédisposition au cancer, mais aussi d'en savoir la physiopathologie. Et étant donné l'importance de l'imagerie dans le diagnostic et de la prise en charge, le radiologue doit connaître ces syndromes et développer les protocoles et les recommandations adéquats de dépistage et de surveillance pour guider les cliniciens ainsi que garder son rôle d'antan dans la prise en charge de ces maladies. Juste avant de finir, c'est pour rappeler que demain, pour ceux qui auront le temps, on peut être là, on va parler de la lecture des scanners avec beaucoup de cas cliniques. Et le lundi, on va parler de lymphome non Hodgkinien avec les autres confrères et collègues. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, professeur, pour cette présentation de qualité académique non contestable. Et on le sent déjà ici, même l'audience, il n'y a pas beaucoup de questions. Vous nous avez amené un peu beaucoup plus haut et on vous remercie pour ça. Alors, nous avons jusque-là 2 questions dans notre chat. Nous demandons à ceux qui veulent poser ou intervenir directement de lever leur main et ça sera first come, first serve. Et ceux qui veulent poser leurs questions dans le chat, qui puissent seulement déposer leurs questions, nous allons lire. Alors, la première question, c'est celle qui vient de, je pense, le docteur Aziza, Nadine Wengemere. Est-il possible de poser le diagnostic de SHPC en période fœtale et procéder à une thérapie génétique par amniocentèse? Avez-vous quelques statistiques de la prévalence de SHPC selon les continents? Pour la deuxième question, on n'a pas de statistiques. Comme j'ai dit que c'est un concept qui est paru il n'y a pas très longtemps. Donc, quand vous lisez la première publication vraiment à grand impact, ça date de moins de 5 ans. Donc, je ne pense pas qu'il y a une sorte de registre pour récupérer tout ça. Et une utère, on peut poser le diagnostic. Souvent, ce qu'on voit, c'est une tumeur sous-diaphragmatique chez l'enfant. Et le diagnostic différentiel, c'est soit une hémorragie de la glande surrénale qu'on retrouve beaucoup chez les enfants, mais c'est généralement au troisième trimestre quand il y a des stress. On peut avoir neurofibromatome, neuroblastome à ce niveau-là, ou puis on peut avoir des séquestrations pulmonaires extrapleurales. Donc, quand on est déjà dans ces domaines-là, mais est-ce qu'on peut faire une thérapie in utero? C'est rare. C'est rare parce que ça sera beaucoup plus dramatique. Sachant que même les tumeurs malignes, hépatoblastomes, leur progression postnatale, c'est vraiment, c'est pas aussi dramatique que ça. Donc, souvent, quand on les opère juste après la naissance, le pronostic est bon. Donc, pour la plupart des cas, du moins les cas que j'ai vus, on ne fait pas les traitements in utero comme on le ferait, par exemple, pour les chiarites, la malformation chiarite type 2 ou les autres maladies. Merci beaucoup pour ça. Nous avons la deuxième question venant du docteur Franklin Kazadi. Il vous félicite en passant pour cette belle présentation et il demande quelles sont les valeurs prédictives positives et négatives de vos diagnostics en imagerie confirmant les tumeurs. Sachant qu'en médecine classique, c'est l'anapath qui reste le juge par excellence qui donne le verdict devant les tumeurs. Oui, belle question. En fait, l'imagerie avance très rapidement. Et ici, il y a même la génétique, parce que ce qu'on parle ici, on parle de la génétique appliquée. Je vais montrer un examen. PubMed. Et en passant, il a posé sa seconde question qui est le diagnostic en imagerie est une présomption
ou une véracité. En effet, la médecine basée sur les évidences nous pousse à remettre tout en cause en vue de certifier par les moyens attestés. Donc, oui. Critical thinking, critical appraisal. En médecine comme en amour, ni jamais ni toujours. J'ai réagi comme ça parce que vous dites si c'est l'un, si ce n'est l'un, c'est l'autre. Oui, en fait, d'abord pour commencer au début, ça c'est un article que nous avons publié American Journal of Neurology où on utilisait, parce que ça c'est une autre tumeur, on appelle ça le médulloblastome, et on a utilisé l'imagerie, c'est-à-dire l'IRM, pour prédire les sous-groupes moléculaires de ces tumeurs. C'est-à-dire pour, parce qu'au niveau de la fosse postérieure de l'enfant, on a trois types de tumeurs, de manière des tumeurs à grande prévalence. Donc, à 90% des cas, si ce n'est pas le médulloblastome, ce sera l'ependymome ou l'astrocytome. Et dans le médulloblastome, après ablation, si on va dans la biologie moléculaire, on trouve qu'il y a quatre sous-groupes qui ont des pronostics très différents. Et ces papiers ici, nous avons à partir de l'IRM, en utilisant la localisation des tumeurs et la texture de l'imagerie pour prédire les sous-types moléculaires. Et la prédiction a été excellente pour dire qu'avec l'avancée de l'imagerie, surtout actuellement avec ce que nous appelons de l'intelligence artificielle, on peut à 90 ou à 92% pour les tumeurs les plus communes prédire l'anatomopathologique. Voilà pourquoi, même pour les anatomopathologistes, ils ne sont plus au niveau de morphologique. Ils sont maintenant au niveau moléculaire. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de nous dire que c'est un schwannome. Il faut dire que c'est quel type de schwannome. Ça ne suffit pas de nous dire que c'est de l'ependymome. Est-ce le type EPA, EPB ou bien toutes ces mutations. Donc, les pathologistes ici, quand vous donnent le diagnostic, ils ne donnent pas seulement le diagnostic morphologique pour dire que c'est schwannome ou non. Ils vous donnent même les mutations qui sont à ce niveau-là. Et l'imagerie peut prédire ici. Et ce qui rend ça beaucoup plus facile, c'est la collaboration entre toutes ces disciplines ici. C'est chaque semaine, il y a des confrontations. C'est comme maintenant là, on va publier un autre article avec un des étudiants où on prédit à partir de l'imagerie les sous-groupes de tumeurs à bas grade, au niveau de gliomes à bas grade. Et c'est faisable. On a une belle prédiction. Donc, on peut le faire. C'est vrai, l'anapath reste la cour suprême, si on peut dire ainsi. Mais pour la plupart des cas, parce qu'est-ce qui arrive pour ces enfants? Un enfant qui a, par exemple, le médulloblastome, il y a quatre types. Type, appelez ça 1, 2, 3, 4. Et si le malade a le type 1, on n'a pas besoin d'irradier toute la tête et la colonne. Sachez que quand on irradie comme ça, l'enfant devient stérile, la moelle est bousillée, tout. Il y a des répercussions de cette radiothérapie. Donc, si je dis que, si à l'imagerie, je peux dire que la tumeur ici est de type 1, ils ne sont pas obligés de faire cette radiothérapie très poussée. Mais si je dis que c'est le type 4, ils vont faire la radiothérapie de manière la plus radicale. Or, pour qu'eux, ils aient le tissu et faire toutes ces études-là, ils ont besoin de la chirurgie. Donc, c'est la radio qui vient avant la chirurgie. Et tout clinicien, neurochirurgien, tout ce monde-là, voudront que tant soit peu, la radiologie approche les diagnostics moléculaires à plus de 80% des cas. Donc, pour me résumer, l'imagerie actuellement, surtout quand on a l'IRM, on a les TEP ou les SPECT ou le PET-CT, on peut approcher la NAPAT à plus de 90%. Merci beaucoup, professeur. J'aimerais bien donner la parole aux mains levées, mais il y a une série de questions du docteur Kazadi. On aimerait seulement terminer et on va donner la parole à Valérie. Docteur Kazadi continue par dire que le diagnostic en imagerie est une présomption ou une véracité. En effet, la médecine basée sur les évidences nous pousse à remettre tout en cause en vue de certifier par les moyens attestés. En médecine comme en amour, ni jamais ni toujours. J'ai réagi comme ça parce que vous dites si ce n'est l'un, c'est l'autre. Et il parachute en disant, ne trouvez-vous pas, cher professeur, qu'en imagerie, il sied de parler en termes de dépistage et suivi, et vend le SHPC, et le diagnostic reste l'apanage de la génétique et de la pâte. En fait... Vous pouvez lire les questions parce qu'elles sont un peu longues. Donc. Oui, oui. En fait... Il y a cette distinction ici, ça se fait pas vraiment, ça ne se fait plus vraiment. Les limites traditionnelles qu'on avait entre la radiologie, l'anapath, ça disparaît de plus en plus.
Tu vois. Donc, déjà, quand il y a une tumeur, avant que le neurochirurgien n'aille en salle d'op, il veut que tu lui dises. Si je lui dis que c'est un hémangioblastome, il ne va pas aller opérer. Il aura besoin de l'imagerie interventionnelle parce que les hémangioblastomes sont hyper vascularisés. Il peut avoir besoin de thrombose, de thromboser certains vaisseaux pour que ça ne saigne pas en salle d'op. Mais si je lui dis que c'est un astrocytome pilocytique, il peut aller sans ces thromboses-là, sachant que ça ne va pas saigner. Et à force de faire ces choses-là, parce qu'on a des gros volumes, il y a la plupart des publications, les radiologues, les neuroradiologues ou les radiologues qui travaillent dans ces organes-là peuvent le prédire à 80% des cas. Donc, il n'y a pas. Ce n'est pas que l'un essaie de bypasser l'autre, mais c'est cette collaboration. Et au début, il y avait beaucoup d'erreurs. Vous dites que c'est le mangeon, et puis on fait l'examen, on fait la chirurgie. Ici, quand on fait la chirurgie, déjà quand on prend l'échantillon, le soir, on a les diagnostics préliminaires de la rapace. Ça se fait le même jour. Forme de frozen step. Et la semaine qui va suivre, lors de notre confrontation entre les neurochirurgiens, les neuroradiologues et les anatomopathologistes et neurologiques, on nous dit que, OK, les radiologues avaient dit ceci, en appart, on a trouvé ceci. Et à force de faire cela, il y a une sorte comme d'homogénéisation. De même, quand un neurochirurgien ici vous parle d'IRM de la tête, si vous n'êtes pas calé, vous êtes de côté. Parce qu'il voit ces choses-là. Tu vois? C'est en ça maintenant que c'est un peu la différence entre nos milieux et les milieux comme celui-ci, où les gens ont pu aplanir toutes ces discussions-là. Tu vois? Ils savent que c'est la natte qui va donner le dernier diagnostic, mais il y a des choses qu'il faut faire avant ces diagnostics, notamment la chirurgie. Et les traitements qui doivent venir avant la chirurgie selon les types de tumeurs. Là, j'ai parlé par exemple de tumeurs qui vont saigner ou qui devront bénéficier de moins de radiations comparées aux autres. Donc, si on reste dans la façon traditionnelle comme on le faisait au pays, c'est vrai, c'est la natte qui l'a diagnostiqué dernier. Je peux trouver, attendez que j'ouvre. Le PACS ici, je vais vous montrer un ou deux tumeurs qui ont été appelées avec un seul nom, pas le diagnostic différentiel, et c'était comme ça en APAT, sans tergiverser. Un instant, je vois. Je vais aller dans Brain tumor. On prend On peut dire une autre question pendant que j'ouvre ça. En attendant, pouvez-vous nous dire directement seulement la neurofibromatose, c'est ça le von Nigel-Carlsen? Yes. Une question De type 1. Ouais. Alors, docteur Valérie, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci. Merci beaucoup, professeur, et merci beaucoup, cher modérateur, docteur Moussa. Il faut le dire que c'est vraiment impressionnant et félicitations donc au professeur pour cette brillante présentation. Une série de questions, je vais essayer d'être bref. Professeur, quand on regarde en général ce dont vous venez de parler, vous avez mentionné cette épidémiologie locative des tumeurs qui vous permet de pouvoir dire ici, nous avons eu tel pourcentage d'après les recherches, d'après les trouvailles dans notre communauté. Si nous en avons comme ça, alors le pourcentage nous oriente beaucoup plus vers telle tumeur en premier, telle autre tumeur en deux, telle autre tumeur en trois. C'est des études qui ont été colligées par rapport à toutes les biopsies, par rapport à la radiologie, cette collaboration interdisciplinaire. Est-ce que la même épidémiologie locative est-elle applicable dans nos pays à nous, si nous prenons les tranches d'âge, sachant très bien que nous avons certaines prédispositions cancéreuses qui sont liées à la génétique et à la race? Ça, c'est numéro un. Et la deuxième, c'est la suivante. Dans le von Recklinghausen,
nous voyons déjà toutes ces tâches qui apparaissent et qu'on peut voir même à Kinshasa, en République démocratique du Congo, si et là. On a connu le cas d'une dame chez qui ça a été diagnostiqué, c'est en Afrique du Sud. Elle a grandi avec ça dans le Katanga. Elle est arrivée en Afrique du Sud, elle a eu des situations compliquées jusqu'à une atteinte rénale, mais elle est allée mourir au Congo parce qu'on ne pouvait plus rien faire pour elle vu que ça avait déjà métastasé. La question qui vient donc par cela, lorsque nous voyons ce genre de situation et que vous, vous êtes en international, est-ce qu'il n'y a pas un réseau de collaboration que vous avez établi qui permettrait à ce qu'on puisse élaborer ou améliorer cette prise en charge en regardant déjà les choses depuis plus bas et de façon à ce qu'on puisse équiper notre nation autour de ça? Merci. Merci, oui. Pour l'épidémiologie, vous avez bien dit, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont fait des corrélations entre la NAPAT et l'IREM. Et ils ont abouti à des conclusions qui permettent l'IREM d'appeler avec peu de rêves je vais partager quelque chose. Comme j'ai eu l'image, je vais partager un truc et puis je vais revenir à cette question. Je prends 3, skin 3. Ça, c'est une tumeur, c'est un enfant. Il y a cette masse ici. Je ne sais pas, j'allais. Donc, ça, c'est l'image à T2. Et nous avons cette lésion ici. Et je vais vous montrer le compte rendu du radiologue. Il a appelé ça rétinoblastome. Moi, je ne vois pas. Votre écran est noir. Hein? Vous voyez maintenant? Valérie, ou quelqu'un d'autre peut nous répondre? Moi, je ne vois pas, l'écran est noir. Non, professeur, ça veut dire que vous n'avez pas ouvert le fichier lui-même en soi pour que nous puissions voir l'image. Elle ne s'est pas affichée. OK, un instant. Vous voyez quoi maintenant? Rien? On sait voir votre souris, on sait voir votre ordinateur me rétrécit en longueur, je crois. Ça, vous voyez rien? Vous voyez rien? Nous ne voyons rien. On sait voir votre écran. Desktop. Stop. Now, Richard. Ça sera ça. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Là, ça va. Vous voyez ça? Oui. Oui, ça, c'est une image IREM en T2 où, au niveau des globes, il y a une masse en hyposignal là-bas. Je vais montrer, vous pouvez lire ici. Oui. Ça, c'est le compte rendu officiel du radiologue. Il n'a pas dit qu'il y a une tumeur au niveau du globe gauche. Il a appelé ça left retinoblastome et c'était exact en APAT. Pas parce que retinoblastome est très fréquent, mais on connaît les caractéristiques. Ça sera comme ça. Il y aura des calcifications et il y a des images Swan. Je vais trouver ça. Ça, ce sont des calcifications. Et quand vous avez tous ces éléments-là, avec toutes ces séquences, vous appelez ça comme la NAPAT va l'appeler à 90%. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas... C'est clair. Bon, il faut dire que c'est venu avec l'expérience et avec les publications. Mais c'est quelque chose qui est très fréquent ici. Même en Europe, partout. J'ai perdu l'écran. Je vais faire stop. OK. Maintenant, pour la deuxième question... Par rapport au réseau, de plus en plus, il y a des réseaux qui se développent. Je pense qu'un des réseaux qui a bien réussi, c'est les Récotrauma, où on a rassemblé des spécialistes qui sont au pays et ailleurs. Et aussitôt qu'il y a un cas de traumatisme à n'importe quel hôpital à Kinshasa, on peut mettre les images dans ce forum-là. Les radiologues qui sont ailleurs, ils vont lire. Et les intensivistes qui sont ailleurs, ils vont donner des conseils en termes de management, combien de litres d'oxygène. Tous ces détails-là pour permettre à l'équipe qui est sur place de se dédouaner. Mais non, pour ce qui est de l'IREM, ça prend de l'expérience. Et malheureusement, par exemple, à l'Université de Kinshasa, on n'a jamais eu une IREM là-bas. Vous connaissez? Donc, c'est difficile pour même s'ils avaient la machine aujourd'hui, ça va prendre, il y aura ce que les anglophones appellent « learning curve ». Donc, il y a une courbe d'apprentissage pour apprendre et savoir lire les images à ce niveau-là.
Ouais. Donc, c'est pour le moment, faut dire que il y a des collaborations qui se développent. Hier, avec Dr Moussaïs, on a eu quelques idées pendant qu'on échangeait pour cette conférence et on va mettre en place une structure presque dans ce sens-là. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Ce que nous, on fait ici, il y a leurs ancêtres, c'est-à-dire que les Occidentaux, ils ont travaillé sur ça. Ils ont découvert la machine. Ils ont fait toutes ces corrélations-là. Il y a des atlas. Vous savez, quand il y a ça, 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 on appelle ça méningome, à l'IRM. Quand il y a ça, 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 on appelle ça ependymome. Et à plus de 95% des cas, c'est ce que l'anaphate va dire. L'anaphate vient juste au fait confirmer. Parce que le diagnostic avant chirurgie, ça a beaucoup d'implications en traitement. Parce qu'il y a des tumeurs qui ne nécessitent même pas la chirurgie. Ce qu'on appelle des gliomes à bas grade. Ça va rester dans la tête même 30 ans, ça ne va rien déranger. Mais quand vous ouvrez et vous allez toucher le tronc cérébral, c'est vous qui allez tuer les malades. Maintenant, pour savoir que cette tumeur doit être traitée ou pas, c'est le radiologue, sur base des éléments qu'il a, qui va vous dire. Je vais vous montrer un autre cas. On appelle ça des gliomes, comment, DIPG, Diffuse Intrinsic. Ce sont des gliomes au niveau des ponts cérébraux. Ces gliomes-là, on ne les biopsie jamais. Parce qu'au niveau des ponts cérébraux, c'est tous les centres qui assurent la vie neurovégétative sont là. Quand vous biopsiez, c'est vous qui allez emporter le malade. Et les diagnostics, c'est à 99% sous base de l'IRM. Non seulement ça, et comment le compte rendu des radiologues, ça signe votre arrêt de mort. C'est une sentence de mort. Parce que dans les 6 mois, vous allez mourir. Donc, sur Merci. l'imagerie, vous avez. Merci beaucoup pour ça. Je crois que on doit avancer. Nous avons beaucoup de questions maintenant dans notre chat. De 7 et 3 mains levées. Docteur Joseph Kabongo, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Essayons d'être bref, s'il vous plaît, avec notre question. OK, merci pour la parole. Et je tiens de l'occasion pour féliciter le professeur pour cette brillante présentation. Je suis radiologue. J'ai fait l'Afrique du Sud, donc Stellenbosch, c'est là où j'ai étudié. Et puis, présentement, je travaille en Namibie. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qu'on adresse au professeur. Mais ce que je veux dire, c'est seulement que la radiologie a beaucoup évolué. Et beaucoup de gens pensent toujours que être radiologue, c'est lire un cliché radiologique ou faire peut-être une échographie. Mais dans la pratique, parce que quand je prends juste mon expérience avec 5 ans de radiologie en Afrique du Sud, vous êtes exposé à l'IRM, vous êtes exposé au CT scan dès la première année. Et dès que vous arrivez en troisième année, vous faites maintenant ce qu'on appelle la sous-spécialité. Vous faites la neuro-radiologie, vous faites la radiologie squelettique, vous faites cardiaque, vous faites tout ce genre-là, pédiatrie radiologique. Vous travaillez dans des hôpitaux qui ne traitent par exemple, que les enfants. Vous voyez que les maladies qui sont maladies fœtales, et vous voyez ce que les enfants naissent avec et tout cela. Donc, cela vous donne cette expérience qui est un peu vaste. Et quand on fait nos rapports, c'est on peut dire que nous matchons ce qui est avec l'anapath à 99%, comme le professeur le dit. Et je n'ai pas de questions, je vais juste faire quelques commentaires là, rapidement, parce que tout dépend de la façon dont l'enseignement est fait en Afrique. On prend des pays, par exemple, qui font ces radiologies en Afrique. On prend le Kenya, on prend l'Égypte, on prend la Côte d'Ivoire, j'en passe, le Sénégal. Vous voyez que là, dans ce pays-là, c'est un programme de diplôme, donc un programme de 3 ans. Et ce quoi, les gens apprennent, c'est la radiologie générale. Et ils sont à un niveau où ils n'ont pas cette expérience parce qu'ils n'ont pas fait cette sous-spécialité. Alors, quand vous arrivez au niveau où vous faites la sous-spécialité, maintenant, il y a le multidisciplinary meeting où vous échangez avec d'autres spécialités. Cela amène la précision, cela amène cette touche-là du radiologue qui, quand il dit quelque chose, et même moi dans ma pratique, nous
on met juste un diagnostic parce qu'il y a des éléments qui, quand vous êtes à l'IRM ou vous faites le scanner, il y a des éléments qui vous amènent seulement à un seul diagnostic. Mais il y a par moments aussi où on peut en avoir deux ou trois, mais même s'il y en a deux, on dit voilà. Dans 90%, c'est le premier diagnostic qui est favorisé. Et il y a des maladies dont il faut faire la biopsie pour confirmer, mais il y a des maladies dont la radiologie elle-même suffit pour le diagnostic. Et l'étape suivante, c'est le traitement et tout cela. Et pour parler du... ce qu'on appelle encore, le professeur en a parlé, le All Body MRI, donc l'IRM du corps entier. Ça aussi, en Afrique, on le fait. Bon, moi, j'ai l'expérience d'Afrique du Sud. On le faisait là-bas. Ici, en Namibie où je suis, on le fait aussi. On le fait pour les cancers, par exemple, pour suivre des maladies cancéreuses, voir la réponse au traitement. Et certaines maladies génétiques, comme le professeur l'a énuméré, sont des choses qu'on fait, mais ça vient avec un coût. Et ce qui manque, par exemple, ici aussi en Namibie, c'est, même en Afrique du Sud, c'est la population qui a l'assurance médicale n'est pas allée moins de 20%. Alors, vous avez dans grandes villes où il y a 80% des gens sans assurance médicale. C'est ainsi que toutes ces maladies-là, on le voit à des étapes très, trop avancées où on ne peut rien faire. Mais si quelqu'un a une assurance médicale, tout cela, on le voit, même le cancer des seins, qui est simple, on fait le diagnostic à temps, quand c'est moins de 1,3 cm, moins de cela. Donc, vous faites une tumeur qui a 13 mm, par exemple, le traitement, quand vous commencez ça à temps et tout ça, ça a une espérance de vie qui est plus élevée et aussi le pronostic lui-même, quand on traite, c'est 100% rémission. Mais quand on n'a pas les moyens et qu'on se présente quand c'est terminal, bon, il n'y a rien qu'on peut faire. Alors vraiment, je dis que la radiologie a beaucoup évolué et au pays, ce qui manque, c'est cela. Parce qu'on pense encore que c'est seulement l'anatomopathologie qui doit répondre à tout, mais ce n'est pas ça. J'étais au pays dernièrement et quand j'ai échangé avec mes confrères, c'est la même chose. Les gens pensent que la radiologie, c'est seulement le simple cliché radiologique. Mais il y a beaucoup de choses et le diagnostic a atteint un niveau plus précis avec la radiologie. Voilà, juste un commentaire et professeur, vraiment, coup de chapeau pour cela. Merci beaucoup, docteur Kabongo. Vous savez que moi, je suis du Bas-Congo et chez nous, quand vous avez les kinzones, si quelqu'un veut se marier, deux fois, le papa de la fille est là, mais il ne veut pas parler. C'est soit un oncle ou bien son ami qui va prendre la parole. Sinon, pour présenter, donc, comme j'étais le présentateur, il y avait des mots que je devais vraiment choisir et votre intervention a permis de rendre les choses beaucoup plus claires, surtout que vous êtes en Afrique avec la plupart des gens et ça prouve que c'est une réalité qui n'est pas seulement l'Amérique du Nord, mais il y a d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, qui font des choses remarquables aussi. Donc, vous avez très bien éclairé la place de la radiologie moderne qui avoisine maintenant l'anatomopathologique et l'ALAPAT vient juste pour confirmer. Donc, merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Nous allons prendre notre troisième intervenant à main levée, Dr. Suzan Mukokole. Merci beaucoup pour la parole. Merci, professeur, pour votre exposé académique. Ma question, je crois qu'il y a une question dans le chat. Je n'ai pas très bien saisi votre réponse. Je vais peut-être la répéter, mais ma question touche à la fois à la génétique. Nous avons des gens de la génétique sur la plateforme ici, à l'imagerie aussi et à l'éthique. Alors, dans le cas des familles qui sont connues avec ces syndromes héréditaires, peut-on utiliser l'imagerie pendant la période fœtale ou peut-on faire une amniocentèse pour déterminer ces syndromes pendant cette période fœtale et donner le choix aux familles ou aux couples de considérer un avortement pour des raisons médicales ou thérapeutiques, pour ceux qui le veulent, dans les pays comme l'Afrique du Sud où l'avortement est autorisé. Merci. Merci beaucoup, docteur Mukokole. La réponse est oui.
Parce qu'ici, par exemple, au Canada, je vais parler du Canada de protocole, quand la femme est enceinte, il y a la première échographie qui s'est faite pendant le premier trimestre et ils font le maternal serum screen. Je pense qu'il y a des gynécos parmi nous ici qui connaissent ça très bien. Et avec ça, déjà, ils essaient un peu de prédire les risques d'aneuploïdie, c'est-à-dire une altération, notamment les Down syndrome et les autres. Et au 20e semaine, ils font ce qu'on appelle les screening ultrasound pour chercher les malformations et les autres éléments. Maintenant, s'il y a des éléments en famille qui orientent vers un syndrome, on va faire de manière beaucoup plus sélective cet examen-là. Par exemple, s'il y a des malformations cardiaques dans les Down syndrome, comme on sait qu'ils font beaucoup plus de VSD et VSD, donc il y aura une échographie cardiaque. Maintenant, comme la législation, du moins au Canada, c'est l'avortement choisi, c'est fait jusqu'aux 24 semaines, on fait tout pour que tous ces examens-là qui doivent orienter vers un syndrome précis se fassent avant le 24 semaines. Et comme ça, la famille va se voir avec le généticien ou bien avec le spécialiste qui prend en charge la maladie qui a été détectée. Et ils ont le choix soit d'arrêter la grossesse ou bien de continuer et avec un consentement éclairé sur ce qui sera la vie ou la qualité de vie de l'enfant qui va naître. Donc, c'est oui. Ces examens-là, on le fait en prénatal. Et quand on fait ces échographies à la 20e semaine, si on trouve des éléments, on trouve que l'échographie n'est pas bon assez pour trouver le diagnostic, on passe à l'IRM, ce qu'on appelle l'IRM fœtal. Je pense que le docteur Kabongo en a parlé. Merci beaucoup pour ça. Nous prenons la dernière main levée avant de rentrer dans notre chat. Docteur Béa. Merci beaucoup, docteur Issa, pour la parole. D'abord, pour commencer, en tout cas, une présentation très fascinante. Beaucoup de mots indigestes pour moi, malheureusement. Je vous ai suivi, comme vous l'avez dit, un peu comme à l'écran, au petit écran. Et docteur Issa, je voudrais vous demander, si possible, est-ce qu'on peut avoir les liens pour les prochains rendez-vous, les présentations du professeur, notamment celle de demain et je pense celle d'après-demain aussi. Si on peut avoir ça dans le groupe, comme ça, on peut aussi se connecter. On a déjà commencé à partager dans le groupe. Je crois d'ici ce soir, nous partagerons encore les autres liens. Ok. Ma question est simple pour professeur Dadi. J'aimerais savoir comment la méthodologie suivie pour le protocole, bien la lecture de All Body MRI. Parce que je me dis, ça doit être énorme. Je ne sais pas combien de temps ça vous prend pour lire ce genre de MRI et interpréter. Est-ce qu'il y a-t-il des devices que vous utilisez, intelligence artificielle ou autre chose pour pouvoir. Parce que je me dis, lire MRI de tout le corps, franchement, il y a sûrement des organes que vous pouvez facilement omettre en lisant. Est-ce qu'il y a-t-il une méthodologie qui permette de lire sans omettre un organe ou un autre? C'est un peu ça ma question. Oui, en fait... L'IRM corps entier, ça prend environ 45 à 60 minutes pour l'avoir et on ne fait pas toutes les séquences. Sauf fait une IRM de dépistage. Il y a des maladies, par exemple, ce qu'on appelle les CRMO, ou ce sont des malades qui ont des osteomyélites non bactériennes qui sont disséminées dans le corps. Donc, les images qu'on obtient, ce n'est pas toutes les séquences qu'on va obtenir, non? On va prendre les séquences qu'on appelle des STIR, S-T-I-R, et c'est juste les images en coronale de la tête, du tronc, et on fait juste un dépistage. Maintenant, si on trouve une lésion, ça dépend d'un radiologue à l'autre, et si vous avez le temps, parce que les malades qui viennent comme ça, ce sont les malades programmés. Il est là pour une heure, il y a une autre personne qui va venir. Ce qu'on fait, on mentionne la lésion là qu'on a trouvée, et on indique maintenant une autre IRM qui va juste se baser sur cette partie-là. Par exemple, si c'est au niveau du foie, il y aura une autre IRM qui va n'évaluer que le foie, là où cette lésion-là a été trouvée. Maintenant, si c'est un enfant et l'examen s'est fait sous anesthésie générale, comme j'ai dit, on essaie d'avoir toutes les images sous le même sommeil. Dans ces cas-là, on essaie un peu de... On peut ajouter une ou deux, voire trois séquences juste pour permettre de tirer au clair l'élément qu'on a trouvé, au lieu de faire revenir le malade et faire un autre examen sous une autre anesthésie. Donc, en clair, l'IRM corps entier, ça ne veut pas dire que nous étudions chaque organe en détail de tous les corps, non. Nous prenons des clichés de manière ramassée de tous les corps
et on fasse juste le dépistage. Et s'il y a une lésion, on va faire une autre étude un autre jour pour évaluer de manière beaucoup plus profonde la lésion qui a été trouvée. Et la lecture se fait, je pense que ça dépend de l'expérience, si tu es seul, si tu as les résidents à côté de toi, mais normalement 10-15 minutes, ça peut être suffisant pour finir ça. Merci beaucoup, professeur. Nous allons... Êtes-vous satisfait, docteur Béat? Oui, je suis satisfait. Merci beaucoup. Alors, nous avons la question dans notre chat de Clémy Maoulou. Il dit, comment faire le diagnostic différentiel entre les SHPC et les métastases chez un malade adulte dans le contexte congolais où les malades viennent souvent tardivement? Un médecin stagiaire au Clinique Universitaire de Kinshasa. En fait, si le malade vient tardivement, c'est difficile de dire. Comment ça? Parce que même ces syndromes ici, quand ça n'a pas été pris en charge tôt, ces tumeurs qu'on va découvrir vont donner des métastases. Et quand il y a déjà des métastases, c'est bien difficile de savoir. D'abord, c'était quoi la tumeur primaire? Parce qu'on a dit, pour un syndrome, on peut avoir des tumeurs au niveau de la tête, on peut avoir des tumeurs au niveau des poumons, on peut avoir des tumeurs au niveau du foie. Et les mets qu'on a, on ne saura pas si ça vient d'où. Il faudrait faire la NAPAD pour voir les cellules de base, ça vient d'où et tout ça. Donc, je pense que l'importance de ces sujets, c'est au niveau primaire, au niveau de la prévention, au niveau des dépistages précoces. C'est à ce niveau-là qu'on crée toute la différence. Et c'est de la même, quand on fait de la mammographie, l'intérêt, par exemple, c'est de trouver une petite lésion avant même que ça puisse envahir localement. Si on peut le trouver si tôt et on enlève juste la lésion sans toucher au sein de la femme, on a déjà beaucoup gagné. Parce que quand on enlève le tout, il faut maintenant faire des plasties, ça devient déjà compliqué. Et quand il y a des métastases, ça c'est déjà de l'autre côté de la prise en charge. On va vers le palliatif. Donc, je pense que l'importance de ces sujets, c'est au niveau de dépistage, mais vraiment précoce. Merci beaucoup pour ça. Nous avons Alex Milan Milambo qui d'abord vous félicite pour cette brillante présentation. Mais il se demande aussi, en dehors de l'IRM, y a-t-il un autre moyen de diagnostic, surtout pour des gens, pour les collègues qui travaillent dans des milieux comme la RDC où ils n'ont rien? Oui, je pense que l'IRM, c'est l'examen de choix. Mais à la guerre comme à la guerre, et je vais montrer par exemple pour le Beck with Whitman and Lee Fromeny, j'ai montré la place de l'échographie abdominale. Même ici, il y a beaucoup de malades. Si on trouve que on peut faire l'IRM chaque année, mais l'échographie, c'est chaque 3 mois. Déjà, pour le syndrome comme le Beck-Whiffman, la plupart des lésions, c'est des pathoblastomes ou bien des corticocérénalomes. On peut le voir déjà en échographie. Donc, l'échographie joue un rôle essentiel. Mais la question, c'est maintenant au niveau des scanners et de la radiographie, parce que ce sont des rayons X, sont irradiants. Et nous savons que ça prédispose au cancer. Donc, ces modalités, on ne peut l'utiliser vraiment que quand il n'y a pas d'autres moyens. Ou si, par exemple, nous avons affaire, par exemple, au blastome pleuropulmonaire chez les nouveau-nés, c'est le poumon. Et nous savons que pour les poumons, les scanners restent le gold standard, c'est-à-dire l'examen de choix. Pour ça, on peut recourir, mais sinon, on évite ça. On peut commencer avec l'échographie et faire l'IRM quand c'est possible. Merci beaucoup pour ça. Je crois que cette réponse satisfait aussi Dr Israël Badikwila, qui est l'assistant au Clinique de l'Université de Lubumbashi. Il a posé la même question. Alors, nous passons iPhone. Il n'a pas mis son nom. Bonsoir, professeur. Ah, c'est Dr Lambert Aouka, médecin en spécialisation en radiologie en 3e année de l'Université de Cheikh Anta Diop au Sénégal. Oh, tous les Aouka sont au Sénégal maintenant. Belle présentation. Je voulais savoir, étant donné que l'échographie est une modalité limitée dans l'extension, car il ne peut qu'explorer l'abdomen dans ce contexte, ne devrions-nous pas considérer directement de faire une IRM corps entier dans le suivi, sans passer nécessairement par une surveillance échographique, car risque de passer devant certaines lésions? Merci. Oui, je pense que l'échographie ici permet l'examen ciblé. Nous savons que le pathoblastome et le corticocérénalome sont les tumeurs les plus fréquentes, par exemple dans le Beck-Whiffman. C'est les tumeurs que nous craignons à 70% des cas et l'échographie peut bien le voir. Donc, entre les IRM qui sont espacés d'une année, on peut faire l'échographie. Il faut savoir que l'IRM, ça coûte cher aussi.
tu vois. Donc, on va avec la modalité la moins coûteuse, mais donc on fait, comment on appelle ça encore en épidémiologie ou en gestion, cost effectiveness. Donc, moindre coût, mais pour de bénéfices cliniques beaucoup plus réels. Merci beaucoup. Une dernière question, ce sera celle de Suzanne Mukonkole, parce que juste en haut, ce sont des félicitations. Et Dr. Suzanne Mukonkole, pour Emmanuel Bambi qui demande la présentation, oui, la présentation sera partagée après cette session. Dr. Suzanne Mukonkole qui dit, est-ce que l'insuffisance rénale est une contre-indication pour l'administration du contraste pour CT scan et MRI? Oui, l'insuffisance rénale, c'est une contre-indication. Parce que le produit des contrastes sont néphrotoxiques. Et ici, c'est vraiment une limitation. Avant de faire une REM, on demande de doser la créatinine et de calculer la clairance. Si la clairance est moins de 60% chez l'enfant, on ne donne plus de produits de contraste. Mais non, il y a des situations où le malade est vraiment malade, on a besoin de ça. Alors ça, on coordonne avec la néphrologie pour faire la dialyse juste après l'examen. Merci beaucoup, professeur. Je crois que je ne vois plus de main levée, il n'y a plus de questions. Donc, professeur, avez-vous quelque chose à ajouter? Nous avons encore, je crois, 5 ou 10 minutes avant de donner la parole soit à Eric Zog ou au docteur Jodine pour faire la session. Non, moi j'ai tout dit. Je remettrai plutôt la parole à vous et à l'organisation. Merci de m'avoir ici. C'est un honneur de partager la science avec les compatriotes. Surtout certains, on s'écrit plus sur Facebook, mais on ne se voit jamais. Donc, c'est une belle occasion de partager des connaissances. Ah, nous avons une question. Donc, le docteur Guy Tiangala, si vous pouvez poser votre question. Merci, docteur. Juste une petite précision que je voudrais avoir auprès du professeur. Merci, prof, pour la présentation. Je voudrais savoir... parce qu'ici en Afrique où nous pratiquons, pratiquement moi je suis ici au Botswana. On a eu à constater quand même quelques cas de cancer chez les enfants, mais qui sont séropositifs. Maintenant, dans ces cas, allons-nous parler de la génétique ou bien c'est le VIH? Quelle est votre lecture là-dessus? Merci. Non, je pense que le VIH, ça prédispose en soi aussi à certains cancers, notamment les leucémies et les lymphomes. Mais ça peut être une coexistence, quoi. On peut avoir une prédisposition et le VIH, c'est acquis. Et donc, vous êtes dans le cocktail. Mais le VIH en soi, ça prédispose aussi au cancer. Merci. Il y a une dernière question de Canal RDC. Discuter de l'indication de l'IRM en fœtologie. Pardon? Je ne sais pas, il demande si on peut discuter de l'indication de l'IRM en fœtologie. En fait, on parle de l'IRM fœtal dans ces cas-là. Je pense que normalement, comme j'ai parlé des dépistages, ici, c'est des protocoles pour l'évaluation des femmes enceintes, ça varie d'un pays à l'autre. Au Canada, par exemple, le scandale, c'est une échographie au premier trimestre pour le diagnostic de la grossesse, déterminer le nombre de fœtus et puis la localisation et les autres indications qu'on a apprises tous en gynéco. Et au deuxième trimestre, on fait l'échographie pour faire le bilan anatomique, pour voir s'il n'y a pas une malformation. Maintenant, si on trouve par exemple une hydrocéphalie, on sait que l'hydrocéphalie à la tête, ça masque beaucoup de malformations, notamment une agénésie des corps calés. On peut avoir le syndrome de Dandy-Walker. On peut avoir tous ces syndromes qu'on connaît. Dans ce cas-là, on fait l'IRM. Et ça doit être fait avant la 24e semaine parce que c'est l'âge maximal où on peut faire un avortement sans trop de paperwork, sans trop impliquer les avocats de l'hôpital et les autres histoires-là. Donc, on le fait s'il y a une pathologie qui est détectée à l'échographie des dépistages au niveau anatomique et on va avoir... beaucoup plus de détails sur ça, c'est alors qu'on indique l'IRM. Pour la tête, la raison la plus, je pense que pour les IRM que j'ai vu dans mon parcours en radiopédiatrie, pour la tête, c'est à plus de 60% la présence d'une ventriculomégalie. Ça indique l'IRM. Maintenant, au niveau des poumons, on peut le faire. Je parlais de blastome pleuropulmonaire, on peut le faire.
Et dans d'autres cas, il y a ce qu'on appelle la malformation de du poumon. Par exemple, quand on a des séquestrations pulmonaires, on peut le faire. Quand on a une masse, on ne sait pas bien dire si c'est une séquestration, est-ce c'est une CPM, c'est une congénital pulmonary airway malformation, une malformation congénitale de la formation des voies respiratoires. Ça paraît comme une manse localisée, il faut les différencier. Ça peut être un neuroblastome. Si au niveau de l'échographie, de screening, on ne peut pas donner de manière précise plutôt le diagnostic, on passe à l'IRM pour plus de précision. Merci beaucoup. Il y a encore une autre main du docteur Eugène Bokila. Vous pouvez poser votre question. On a encore cette minute. Bonsoir, prof. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une petite question sur la sensitivité, la spécificité des tests de l'IRM. Mais je crois qu'il y a un collègue qui en avait déjà parlé. Il a parlé de positive predictive score, but je crois que on parle exactement de la même chose. Donc, je ne veux pas y revenir. Alors, je voulais seulement faire un commentaire par rapport au contexte dans lequel il faut utiliser ces tests diagnostiques qui coûtent si cher à l'été aux citoyens. Je crois que dans votre contexte canadien, cela est permis parce que le gouvernement a assez de moyens pour d'abord conduire les tests et puis traiter les citoyens qui sont diagnostiqués avec toutes ces maladies compliquées. Dans notre contexte ici, en Afrique surtout, où nous n'avons pas de programmes clairs en termes de prévention et de traitement des maladies cancéreuses. Dans notre contexte où nous n'avons pas suffisamment de moyens pour traiter, ou je parle surtout de moyens chirurgicaux pour traiter le cas diagnostiqué, je crois que nous sommes un peu limités à ce niveau pour parler de la détection précoce de ce genre de cancer. Je voulais seulement attirer l'attention de confrères, surtout de jeunes confrères qui sont au pays et qui travaillent comme nous dans des zones un peu défavorisées, que tous ces tests qui coûtent très cher ne peuvent être appliqués que lorsqu'on est sûr et certain qu'il y a suffisamment de moyens pour traiter les cas qui sont diagnostiqués. Je crois que c'est le petit commentaire que je voulais faire sur le sujet. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, docteur Bokila. À bientôt. Merci beaucoup, docteur Bokila. Nous avons docteur Lumea qui a quitté l'audience. Il se demande si ce n'est pas le climat du Canada qui contribue à ces taux élevés de cancer. Quelle race est plus touchée? Non, en fait, je pense que c'est beaucoup plus la technologie. Plus il y a la technologie, il y a quelques années, on ne pouvait pas se voir comme ça. Les uns au Congo, les autres en Afrique du Sud, l'autre à Londres, moi ici. Donc, de la même façon, la technologie nous a permis de communiquer. De la même façon, elle a permis de dépister ces maladies. Et c'est maintenant à nous de faire ainsi toutes ces technologies. Oui. Chez nous, quand vous avez ces cancers, c'est nos liés à Koufi. Alors qu'ici, ils vont chercher à scruter pour voir c'est quoi la cause et essayer un peu d'améliorer la prise en charge. Ce fait, ça la différence. Mais je pense que si on va en termes de dépistage en Europe, ici, c'est vrai, le type de cancer peut changer. Quand vous allez à Hiroshima ou à Nagasaki, à cause de ce qui s'est passé là-bas, on peut avoir certaines formes de cancer. Mais cancer en soi, si on met dans un grand panier, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de différences. Merci beaucoup. Je pourrais même ajouter que c'est la technologie qui nous a donné le vaccin de la COVID en 8 mois. Donc, ce n'était pas la magie. La dernière main vient de quitter, donc je crois qu'il n'y a plus de questions. Je suis Emmanuel Bambi. Bon, là, je l'ai répondu. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup pour ça. Alors, je remets la parole au docteur Eric, qui est le coordonnateur de cette plateforme, pour nous conduire avec le mot de la fin. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, docteur Moussa, pour la modération. Bonsoir tout le monde. Professeur Mata, en tout cas, merci beaucoup
pour ce partage, pour le partage de ce soir. Je voudrais remercier tout le monde, mais le mot de la fin viendra de professeur Stanley Lumey. Moi, je tenais sincèrement à vous remercier, docteur Dadi, pour accepter l'invitation et accepter de partager avec nous ces toutes dernières connaissances. Merci. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, prof Mata. Je pense que votre présentation était magistrale. J'étais en train de raisonner quand vous étiez en train de parler. Ça montre que, comme on dit en français, ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et que ça montre que ce sont des histoires que vous connaissez, vous pratiquez et ça donne aussi, je pense que la communication a été très bonne. Mais c'est quelque chose qu'on doit toujours penser. Quand je regarde, on dit que quand il est, on voit l'espérance de vie au Canada est 82 ans, l'espérance de vie moyenne. En Afrique du Sud, où je suis, l'espérance de vie est de 62 pour les femmes et puis 59 pour les hommes. Donc, nous avons, par exemple, 20 ans de retard. Je pense que c'est à cause de ce genre de médecine qui est pratiquée au Canada, qui est plus focalisée sur la prévention. Comme on dit, la prévention primaire, secondaire et tertiaire, c'est ce qui fait la différence. Pendant qu'en Afrique, on utilise encore la médecine curative, où les gens vont pour chercher les médecins quand ils sont malades. Et pourtant, au Canada, je pense que quand une femme atteint 21 ans, elle va aller chaque 3 ans pour le pap smear, et là, je pense que la mortalité est très basse. Et pourtant, en Afrique du Sud, on a encore les femmes qui meurent de cancer de col. Donc, ça, ce sont des réalités Afrique-Europe. Et je pense que la médecine au Canada est encore avancée parce que l'espérance de vie aux États-Unis, qui est la première puissance mondiale, c'est 78 ans. Donc, sur le plan de la santé, Canada est parmi les tops au monde. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup pour le temps, pour la disponibilité. Mais ce sont des histoires qu'on doit penser un jour, avant que Jésus revienne peut-être au Congo, on pourra faire tout ça. Donc, nous vous remercions pour votre disponibilité, espérant qu'un jour, Prof Mata sera full-time au Congo, quand les histoires seront dans les normales. Merci beaucoup, je pense que à tout le monde. Docteur Moussa, merci pour votre modération. Merci à tous les intervenants qui ont essayé d'enrichir ce débat. Et nous pensons que c'était vraiment très constructif et très instructif. Et on vous annonce pour la semaine prochaine, ça sera Docteur Kachama qui va revenir encore sur l'examen clinique des viols sexuels. Donc, ça sera le mercredi prochain, le jeudi prochain. On espère que tout le monde de venir. Je me souviens toujours quand on était à l'INIKIN, professeur Ntseka nous disait à l'époque à l'INIKIN que quand vous n'avez pas encore les moyens, au moins connaissez la théorie. De sorte que si la technologie arrive, vous allez vous adapter, mais au moins la théorie est là. Donc, ce forum permet quand même d'update à tout le monde, d'avoir la théorie up-to-date, mais la technologie arrivera selon les coins que vous vous retrouvez. Donc, on va demander à tout le monde d'ouvrir votre phone pour applaudir le professeur Mata très, très fort. Merci beaucoup. Congratulations. Merci beaucoup. Ouvrez vos phones et puis applaudissez pour les profs matins.
Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est... Bravo, prof, bravo, bravo, merveilleux. Bravo, oui. Bravo, bravo, prof, bravo, prof. Bravo, prof. Bravo, prof. Bravo, bravo. Et tu peux me remettre la poste.